Bonjour, installez-vous confortablement devant votre ordinateur. Zen, d'après l'odorat, c'est le zen. Tout le monde est zen. Salut tout le monde! Salut tout le monde! Hey, je suis désolé, pour vous dire la vérité, ça passait une dinguerie. Là, je suis désolé, vous avez vu, il est 20h05, on est en 5 minutes de retard, je suis désolé. Vous voulez savoir pourquoi? Maxime, j'ai envie d'être une pizza. Là, depuis tout à l'heure, il se gonfle d'une pizza. Regardez comment il respire fort! Regardez comment il respire fort! Frère, il y a tout le monde qui attend derrière, on était prêts, il était là, il dit. Bouteux 5 minutes, bouteux 5 minutes. Frère! Je suis soufflé, j'arrive pas à venir. C'est un manque de respect. Salut tout le monde, c'est Zen, ça faisait 2 semaines, j'espère que vous allez bien. Carrément, j'ai pas eu le temps de mettre ma cravate. Mais tu sais pas faire ta cravate. J'ai pas faire les nœuds. Non mais là, juste, là, excuse-toi, au nom du live, parce qu'on a quand même 5 minutes de retard. Toutes mes excuses au live. Bonjour à tous, pour Zen, on est en Zen. Merci à tous d'être là. C'est le nom de l'émission. Vous savez, le moment où... À force de manger, t'es essoufflé, tu vois ou pas? Mais frérot, normal, tu t'es empiffré une pizza en 5 minutes parce que t'avais trop faim. Ah, j'avais un petit creux, c'est les choses qui arrivent. En plus, t'imagines, ils arrivent, ils entendent. J'ai fini de manger. Un petit coup de boisson, un petit coup d'eau, comme on dit. Et on est parti. Bonjour à tous! Je suis trop content Salut. De vous retrouver! Ça faisait longtemps, carrément, on dirait que ça faisait 2 semaines. C'est parce que ça fait 2 semaines. J'espère que tout le monde va bien. Ici Maxime Biaggi, je suis accompagné de mon fidèle acolyte, Grim Cujo. Acolyte. Qui est ici. C'est bizarre, on dirait tu remplis. C'est pas quoi dire, on dirait. On dirait la pizza t'a fait effacer la mémoire de l'émission. La cam bug, mais on travaille dessus. Bon, apparemment la cam bug, je sais pas laquelle, mais... Ah ouais. Mais, salut. Salut les gars. J'espère que tout le monde va bien. Apparemment, ça lag que en régie et pas chez les gens, donc c'est l'essentiel. Je suis très content. Très content de vous retrouver. En plus, on a un invité que j'attendais. J'avais hâte de faire un truc avec lui. C'est Théodore qui sera avec nous dans quelques instants. Ouais, ça fait faux là. Tu t'en fous en vrai? Qu'est-ce que tu fais? Non, en fait, j'avais mon câble de micro. Il tirait du coup. Ah, ok, mon grand. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me dis. Moi, je suis au petit soin pour toi. Non, mais t'es plus occupé à tes petits soins à manger ta pizza et tout là. J'essaie de me rattraper comme je peux. Les amis, on est très contents évidemment de vous retrouver. Et c'est vrai qu'on a tendance à toujours dire attendez, vous allez voir, il va se passer quelque chose. Il y a des. Mais c'est vrai que là. C'est assez particulier et il va quand même se passer quelque chose à la fin, si tout va bien. Oui. Comment ça? Ben, si tout va bien, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. Il devrait quand même se passer quelque chose d'assez ouf. Ouais, bah ouais. Donc... Stay tuned. Les amis, merci à tous. Merci aux sponsors qui nous accompagnent. Merci à Stitch, évidemment. Merci à Fruits qui nous accompagne pour, bien sûr, financer l'émission. Mais aujourd'hui, les amis... exceptionnellement, juste pour cette émission, on a un sponsor. Alors là, les gars, ça c'est une dinguerie. On a été sponsorisé par une application de rencontre, par une application pour passer le permis. Là, les gars, là, c'est un film. Alors ça, c'était du jamais vu. Et on n'est pas sponsorisé par n'importe quel film, mais par Crazy Bear. Crazy Bear, il est en train de faire un carton au box-office aux États-Unis. C'est un film. Il n'est pas encore sorti. Non, c'est un film sur un ours qui sniffe. Voilà. Bah comme, en fait, c'est comme Maxime, quoi, sauf que lui, c'est un. Arrête, les gens vont te croire après. C'est un ours qui a sniffé. Et en fait, il est tombé sur de la coke. Et il en a pris. Et du coup, il fait n'importe quoi. En fait, c'est un peu comme Ted et Narcos en même temps. Voilà, c'est genre. C'est un peu ça. En gros, quand on nous a pitché le film, on nous a dit c'est genre une mission de GTA, mais. Avec un ours, quoi. Ils ont pris de la coke dans les studios, quoi. Tu sais qu'il a fait 23 millions première semaine au box-office aux US. Donc c'est vraiment une dinguerie. C'est Drake là? Non, mais c'est pour ça, c'est une dinguerie. Non, mais je crois qu'il a eu un succès de fou parce que le thème il est fait parler et tout. Ouais, ça, le thème il fait parler et tout, inspiré de faits réels. Bon. En plus, je crois que c'est un des derniers rôles de Ray Liotta. Ah bon? Ouais, je crois. Ben voilà, donc on est trop contents parce que c'est un partenaire différent et ça change un peu et ça régale. On passera à la bande-annonce de toute façon en toute fin d'émission. Ouais. Donc merci à eux de nous soutenir, de nous sponsoriser. Allez voir le film! Allez voir le film! Ça régale, il sort le 15 mars en salle en France. Merci beaucoup! Crazy Bear. Du coup, je sais pas qui je dois dire merci. Merci Crazy. Merci au studio de Crazy merci Bear. Merci au studio. Merci Universal. Merci, au merci Real Universal. Voilà. De nous suivre. Les amis, merci à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va hyper top. Bah, moi, ça va. Hein. Toi, je t'ai pas demandé. Aujourd'hui, on va recevoir un invité, bien sûr, de marque. Peut-être qu'on peut le recevoir maintenant. Ouais. Attends, qu'est-ce que tu en penses? Je peux faire une annonce avant. Oui. Les gars, après moult discussions dans la Zen Corp, je ne rentrerai plus dans les émissions. Ça, les gars. Vous allez dire oh non, nous,
pour toute l'équipe, pour tous les gens qui travaillent à Zen, pour tous les gens qui bossent. C'est une merveille d'entendre ça. C'est une merveille. Ça fait des années qu'on lui dit, frérot, arrête, je t'en supplie, arrête. Tu veux la vérité, j'ai failli roter il y a 5 minutes, mais je me suis dit, ça se fait pas. Ah ouais, t'as failli. Ouais. C'est que là, vraiment, si tu rotais, je pense qu'il y a Monsieur Webedia, le chef, il s'appelle Martin Webedia, il serait venu. Sérieux? Ouais. Il serait venu pour te rafaler. Du coup, là, le chat, pleurait pas parce que c'est fini, souriez parce que ça arrivait. Voilà, exactement. Profitez des bons moments. Et tu sais, en fait, on dit ça. Zen, moi, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que ça dure. Là, dis-toi qu'il reste, je crois, j'ai calculé, 8 émissions avant la fin de la saison. Ou 7. Enfin, vraiment, on est vraiment. Oui. Et ça passe tellement vite. En fait, vu que c'est tous les 15 jours. Ça fait un an et demi. Ouais, c'est vrai. Ça fait si peu de temps. Un an et demi, on dirait, on a vécu l'aventure d'une vie. Oui, c'est vrai. Tu as bien dit ça, mon Grim. On a tissé des liens, toi et moi. On a pu devenir frères, plus qu'amis. On a tissé quelque chose de fort, de... Embrasse-moi. Non, mais là... Embrasse-moi. Ça fait du buzz. Mais non. Va sur la joue, frère. Vas-y, frère. Les amis, on va accueillir notre invité du soir. Il s'appelle Théodore. Je vous prie de l'accueillir tout de suite après le jingle. Jingle de la vie. Comment ça va? Bien ou pas? J'ai des visites, des visites de data. Ça va les frères? Ça va et toi? C'est quoi le nom du son? Atisuba. Atisuba. Ça veut dire à demain dans la langue de ma maman. Oh. Pardon. Non, pardon, je savais pas. Seconde une. Non, je pensais pas que l'anecdote elle était un peu émotionnelle. Seconde une. Je rigole. C'était nul. C'était émotionnel. Désolé et je pensais pas que. T'as pas honte? En fait, parce que je pensais pas que c'était un truc un peu précis. Non, c'est pas si grave, frérot. Franchement, je te pardonne. Ça, c'est beau, ça, c'est le pardon. Moi, j'applaudis. Mec, et tu sais, pour me faire pardonner, ce que je fais, tout nouveau siège. Rien que pour toi, regardez les gens. C'est un tout nouveau siège. Pour la première fois, on a un siège pas volé. Je crois que c'est le même. Mais en neuf, et ça veut dire à quel point l'autre était tellement crade. Tellement il était crasseux, il a changé de couleur. C'est pas possible. Là, il est génial, il est super. Merci tout de m'accueillir. Tout beau. Il est confort. Ouais. Il est super confort. Oh. Et je suis super content d'être là, les gars. Ah, c'est juste qu'il avait plus la bonne couleur, ils nous ont dit. Mais t'es un ouf ou quoi? T'es fou quoi? Mais c'est dingue, je me livre presque. Il vient vraiment de dire, je suis trop content d'être là, t'as fait. Attends, je m'en bats les couilles. Genre, c'est... Alors, je peux vous dire pourquoi? Je peux vous dire pourquoi? Parce que vous êtes là, vous faites votre petite life, vous rigolez bien. Moi, j'ai un connard, bah, c'est, il faut le dire les termes, qui me parle dans l'oreille. Du coup, quand toi, des fois, tu me parles, moi, j'entends. C'est pas la même. Il y avait plus le fauteuil en régie. Je vais te baiser, toi, je t'attends. Ah oui, il a vraiment fait une menace là. Ah non, mais il fait une menace de mort là. Quand même. Mais du coup, voilà, ben pardon, moi aussi, je suis très content d'être là. Ouais. Hyper content de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on voulait que tu viennes dans Zen. Et puis voilà, en vrai, là, je me sens bien. Je sais pas, je me sens bien avec vous, les gars. Là, on est bien tous les trois, là. Franchement, je suis bien aussi. Hein. Moi aussi, je suis bien. On est bien tous les trois. Ouais. Pas vrai, mes frères. Blanc, cocaïne, fait l'agent. Passez la vie d'Obendo. Pavla, côté, combien quatre neiges. Voilà, vous, avec. On est bien. On est bien entre nous, mes frères. Ah, vraiment, là, je suis content d'être avec vous. Non, mais, là, c'est raciste de fou, frère. On est même pas créole, wesh. On est pas, je suis pas entier. Ben alors. Pourquoi tu parles belge maintenant? Non, ben non, je sais pas. Mais alors? Si tu veux vous me parler. T'es quand même un frérot, y a pas de souci. Hein. Vous êtes en train de dire je suis raciste. Frère, mais reste tranquille quoi. Donc moi je suis raciste. Calme le criminel. Moi je suis raciste. Alors je vais vous montrer. Là, j'ai une dent de requin de Madagascar. Et je suis dans un kebab pakistanais, donc je suis vachement raciste, hein. Waouh. On est tous dedans, là. Je suis vachement raciste, les gars, hein. Mais continuez, hein. Continuez, c'est bien, les gars. Continuez avec vos accusations, hein. Après, frérot, tu l'as accueilli en parlant créole, quand même. C'est vraiment... Non, y a pas de souci, frérot. Non, ouais. Je voulais... T'es pas raciste, frérot, tu vois. Et qu'on soit bien entre nous et... Dis pas nous, s'il te plaît. Entre frères. Oh. Théodore. Wakanda. Mon frère. Non, arrête. À tes doigts. Laisse ça. Non. C'est dur, hein. C'est pas facile. C'est pas facile non. de pas, mais bon, c'est comme ça. Théodore, on va revenir un petit peu sur tes débuts parce que tu as commencé YouTube très très tôt. Oh oui. À 10 ans. 10 ans. C'est énorme. Il y en a, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Ouais. Et ça fait quand même moins de temps qu'ils sont plus vieux que toi que quand toi t'as commencé. Je m'explique. Mais t'as raison, c'est vrai. Ça veut dire Seb, par exemple. Seb, à peu près, à la même époque. 10 ans, ouais. Qui l'a commencé. Ouais. Ça veut dire
lui, pareil. Quand il a... Bah, tu vois, Seb, il fait aussi partie de ces gens qui ont grandi. Ils étaient jeunes sur YouTube, moi aussi. On est encore là aujourd'hui, Dieu merci. Et tu vois, il y a des gens aussi, par exemple, qui étaient à la même époque que nous, genre comme Norman. Ou Cyprien. Cyprien, Squeezie. Natou. Le V12. Natou, tu vois. Ouais. Des gens comme ça qui ont fait partie de l'époque, tu vois. Comme, bah, comme Norman, tu vois. Qui t'ont inspiré. Il y a d'autres youtubeurs référencés. Comme Squeezie. Quoi il dit Squeezie, ouais. Il y a Gotaga aussi qui était là. C'est vrai, il y a lui aussi. Comment tu t'es retrouvé à faire des vidéos si jeunes, en fait? Mon frérot, j'avais juste envie de faire exactement ce que faisait Diablo X9. Diablo X9, peut-être des gens l'ont dans le chat. Hein. Bah, mais tout le monde l'a. Non, c'est pas vrai. Mais attention, ça fait un moment, 10 années. Il y a des gens, ils ont cet âge-là. C'est vrai. Dans le chat. Qui je a pense dit, qu'il y a des gens dans le chat. Non, mais là, personne ne le dira dans le chat parce qu'ils vont tous dire bah oui, je connais. J'ai dit oui, non, c'est pas vrai. Mais il y a peut-être des gens qui connaissent pas. Les gens en fait, d'Internet, je vous explique. Hein. Les gens d'Internet qui faisaient des vidéos sur Call of Duty, ils rendaient un gameplay pas intéressant, un petit peu intéressant. Ouais. Et j'avais trop envie de faire ça. Tu sais, j'étais jeune et c'était mon divertissement. Je voulais faire pareil. J'ai toujours voulu faire un petit peu ce que j'aimais consommer, tu vois. Ouais, et du coup, ouais. Tu kiffais ça. Tu dis putain, je vais faire pareil. Mais c'est vrai qu'à l'époque, enfin, en vrai. C'était dur de se dire, faut que j'aie de quoi filmer, de quoi monter. Ah non, les voix, non, aussi. Après, c'est la même coupe, en vrai. Bon, c'est pas facile, hein. Y a des trucs, faut pas avoir honte hein, de son passé. Non, ouais. C'est vrai. Mais sincèrement, c'est pas facile à voir tout le temps. Hein. Non, mais chacun son parcours. Et chacun son parcours. Les premières vidéos de Maxime, on veut pas les voir. Et pourtant, c'était il y a 6 mois. Personne ne veut les voir. Personne. Là, il a fait un vlog en voiture avec Elian, on veut pas le voir. Ça a mal vieilli, hein. Ouais. Il a mal vieilli, ce vlog. Il y a quoi? Il y a 2-3 semaines. Ouais. Mais ça, c'est déjà daté, tu vois. Has-been, ça a mal vieilli. C'est déjà has-been. Ça a mis, ouais. C'est déjà has-been. Mais c'est méchant, mais c'est vrai. J'ai toujours voulu créer ce qui me faisait kiffer, tu vois, comme la musique, par exemple. Ben bah, là, par exemple, tu vois, tu l'extrait, montres... l'extrait qu'on par contre, a tu vu. Tu montres quoi, là ouais. Bah c'est l'extrait qu'on a vu. Ouais, l'extrait qu'on a tu vu. Tu prends un virage plus humoristique, déjà. Ah bah, tu sais, en fait, ouais, voilà. Il y a les sketchs qui arrivent avec des trucs un peu podcast, ouais, trucs un peu podcast ouais. Avec des influences genre bah, Mr. V, Norman. Ah là là. T'as suivi l'actu un peu là récemment? De quelle actu? Les actus, on Internet, peut, YouTube. On peut mettre un blocage sur ce mot quoi. De quoi sur quel mot? Non, mais juste, je te demandais vraiment. Ça fait partie de l'interview. Il s'est passé quoi? Non, mais. Rien, non, mais je te demandais juste si t'avais regardé les. Squeezie, tu t'es inspiré de Squeezie sûrement, non? Dans les... Bah oui, bien sûr. Ah, là, ah ouais, ouais. Voilà, là. Je me suis inspiré de plein d'artistes, tu vois. Genre, moi je suis grand fan de Pierre Palmade. Oh wow. Ah ouais, il y a vraiment d'autres noms à citer avant. Et t'aimes eux, pas quoi. Genre, je sais pas, DiCaprio. DiCaprio de fou. Ah, voilà. Voilà. De fou DiCaprio. On reste là-dessus. Voilà. Mais vraiment Pierre. Titanic. Vraiment Pierre les gars. Ah ouais. Pierre. Et Pierre. Mais genre, comment tu t'en sortais à l'époque pour si jeune, pour déjà écrire des sketchs, les monter et tout. T'es brouillard ou t'étais aidé? J'étais assez débrouillard. Mon frère a toujours été très présent dans la création. Mais ouais, je pense que Orelsan, il a dit si t'as besoin d'un truc, si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc. Il a dit en bégayant comme ça? À un moment, il dit, la première prise, c'était comme ça. J'étais au studio avec lui. Non, t'étais pas au studio avec lui. T'es en studio avec Orelsan? Non, mais il ment. Mais ça, c'est dingue qu'il soit en studio avec Orelsan. Arrête d'être aussi naïf. Je le connais pas. Ah, voilà. C'est quoi son prénom? Aurélien Prévost. Tu as un dox Orelsan devant plus de 100 millions de viewers. C'est Aurélien Prévost son nom. Il a une chaîne YouTube, allez voir. Il habite à Caen. Non, GG ça. Ça, GG. Ça, c'est vrai. Mais oui, j'étais assez débrouillard. Mes parents, ils ont été d'une aide formidable. Ah putain, tu faisais partie des gens qui disaient à ses parents qu'ils faisaient ça. J'étais obligé, moi. Je le faisais sans honte en vrai. Et ça, c'est bien, aux anniversaires, à Noël et tout, ils m'offraient une caméra. Mon père, il gravait mes disques quand j'avais quoi, 7-8 ans, ah, vraiment. C'est très mignon en vrai. Super mignon, j'ai sincèrement les meilleurs parents du monde. Dommage non, qu'ils soient. Alors, par contre, tu préfères les miens. Je pense à les miens au-dessus, quoi. Moi, je préfère aussi sa mère. Elle est... Tu arrêtes ça. Tu arrêtes des blagues comme ça. Il y a eu tout un live où on a vanné ta daronne. Donc, tu peux pas vanner les darons des autres. Ok? Je suis en train de faire un compliment sur sa mère. Un compliment sur ta mère. Elle est magnifique, elle est gentille, mais je comprends pas. Mais elle est gentille. Arrête. Je fais des compliments, c'est ça qu'on fait quand. En vrai, ouais, je comprends pas. Je comprends pas. Ça m'énerve vraiment. Fou ça. Vraiment, je t'ai coupé, du coup, tu disais. Pulpeuse. Du coup, je disais quoi? Qu'ils ont été géniaux. Oui. Dans toujours la volonté de nous donner les outils pour pouvoir créer ce qu'on voulait, pour pouvoir faire nos passions. Et je pense que. J'espère que les parents de notre génération, enfin ceux qui ont grandi à peu près à nos âges,
ils sauront faire ça, tu vois. Ouais. Ça, c'est... Donner de la passion n'importe quelle qu'elle soit, vraiment. Oui, pousser leur enfant à dire, hey mec, t'aimes ça ? Fais, tu vois. Mais c'est très intéressant, et c'est vrai. Et tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des passions. Des vraies passions, genre il y a des gens, ils sont là en mode ils aiment bien plein de trucs, mais ils ont pas c'est de vrai. Passion. C'est ça, vrai, c'est vrai. J'ai eu cette chance là. Bah en vrai, c'est l'acting, faire ce que je fais là, les émissions, tu vois. Ça, arrête, en vrai, annule en vrai. Ouais, je te jure, frère, parce que franchement, il est bien acting dans rien. Passe à autre chose en vrai. C'est... Attends, joue la colère pour voir une seconde. La colère ? Ouais. Ok. Ok. Qui c'est qui a pris les clés de ma caisse et qui a fait un tour avec ma caisse ? C'est toi, Théodore ? Non, c'est pas moi. Ah bon ? Ça m'étonnerait, ça. Pourquoi ? Non, c'est la colère. Mmh. C'était la colère, c'était pas vrai. Je rigolais. Ok, ok. Oh, stresse pas, mon gars. C'était pour de faux. C'était pour de faux, c'était l'acting. Ouais, bah, écoute, passion. Frérot, force à toi. Twitch, lâche pas Twitch. Hein. En vrai, lâche pas live. Twitch. Tu lâches pas Twitch ? Là, tu me disais... Tu live trois fois par mois. C'est vrai, en plus. Tu vois, tu me disais tu voulais faire moins de gaming et tout, plus d'IRL. Bah, reste sur le gaming, frérot. Ah ouais ? Ouais. Ok. Non, parce que je dis... Tu sais pourquoi je t'ai dit pour les darons ? Dis-moi. Que t'assumais et tout, parce qu'on parlait avec Léna juste avant. Ouais. Situation, je sais pas si tu connais. Mais le prouveur. 4 200 000 abonnés, là, sur Insta. On s'en fout, hein, on n'est pas sur les chiffres ici. Hein. Bah non, je vois qui c'est, ouais. Tu vois qui c'est ? Ouais. Elle défile pour les plus grandes marques, Met Gala, tout ça. Non, mais c'est une vraie star, et vraiment, c'est ma pote. Tout le monde la connaît. C'est ma pote, elle m'appelait mon chat. Enfin, je peux vous montrer les messages, mais je suis pas là pour... Enfin, bref. Okay. Léna, situation, elle disait que elle n'osait pas en fait le dire à ses darons, à ses proches, tu vois. Peut-être pas les darons. Peut-être qu'elle s'est lancée peut-être un peu plus tard et qu'il y avait un peu. Ouais. Moi, je me suis lancé tellement tôt que j'avais aucune notion de honte. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, j'aurais pu faire des dingueries de fou sur Internet, vraiment sans honte. Et j'ai eu aussi la chance, et il y en a peu qui peuvent avoir cette chance-là, de pas avoir été harcelé à l'école à cause de ça, tu vois. C'était la question. Il y en a qui peuvent avoir la peur de se dire, putain, je vais arriver avec des trucs à l'école, on va en parler tout. Quand ça marche pas et tout, c'est sûr, les gens ils vont me tailler et tout. J'ai réussi, alors c'est forcément l'environnement et tout qui a fait que, et aussi la confiance que mes parents me donnaient, à passer au-dessus de ça, tu vois. Et comment c'était du coup ? Comment tu passais au-dessus ? Genre tu sautais très très haut ou juste tu sautais un tout petit peu ? Non, t'es con, c'est une image. C'est une image grim. Ok. Non mais ta question était pertinente, moi j'ai kiffé ta question. Merci. Elle était pertinente. Non, c'était pas pertinent, tu vois. Je suis un peu d'accord avec lui finalement. Mais t'es vraiment super par contre, genre vraiment. Je suis un peu d'accord avec lui. Moi je trouvais t'es pertinent de ma question. Non, j'ai gambergé, je suis d'accord avec lui. Moi je trouvais t'es pertinent de ma question. Mais du coup, les gens dans le collège, ça savait un peu ? Ça savait. Mais c'était pas en mode... Franchement, il y a dû avoir hein, des... Dis pas, Théodore, t'es un clochard. Ça se voit que t'es pas drôle avec tes vidéos de merde. Surtout celles là, quand tu imites les rappeurs. Ça merde, ça tes vidéos. C'est vraiment une attaque personnelle de ta part. Ça vient de toi. C'est toi qui as dit. C'est vraiment ta voix, c'est toi qui as dit. C'est ta pensée, c'est ton esprit. Voilà. Ah ouais, elle parle pas fort, Théodore. Reprends, dis un truc, n'importe quoi, dis un truc. Vince Gilligan. Ah ouais, quand je dis n'importe Breaking quoi. Breaking Bad vraiment... Heisenberg en personne. Non, c'était par rapport, en plus, je dis quelque chose par rapport à la question du collège et tout. Ouais, par rapport au collège. Ouais. Ça s'est su, il y a eu certainement des moqueries et tout, mais je crois que j'ai réussi à passer outre, jusqu'au-dessus, tu vois. Bête de phrase. Ouais. C'est pas si ouf en vrai comme phrase, hein. J'essaie de te mettre bien. Lâchant, tu me mets bien. Tu veux me rabaisser depuis le début là, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, mais il est fou ce mec. Mais il est dingue, je veux pas te rabaisser depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe ? Là, tu vois, je dis passer outre. Il dit non, c'est pas ouf. Il se passe pas là. C'est lui tout, j'ai jamais dit mais ça. T'es un ouf. Grim, arrête de croire que t'es tout le temps sur la défensive, tout le temps. Eh gros, les gens t'aiment bien. Sur la défensive, moi, les gens t'aiment bien. Les gens t'aiment bien. Les gens regarde, pas plus tard que tout à l'heure, je parlais à la régie. Il y a un truc qui t'aime bien, celle qui a livré les pizzas sur Uber Eats. Il est venu, le livreur, il a dit qu'il. Il a dit quoi ? Non, on me dit en l'oreille, c'est pas lui, donc bon, ok. Mais je suis sûr qu'il y en a plein qui t'aiment bien. Oh, tranquille. Il y en a plein, t'inquiète. Il y en a plein, je peux t'en citer mille. Tu t'en fais trop. Arrête de t'en faire. Je peux t'en citer mille. Ouais, j'ai passé outre. Bah ouais. Tu sais ce que ça veut dire en vrai, passer outre ? Bah ouais, tu passes au travers quoi. Ouais, c'est. Ouais, c'est bien, ça me va. C'est une bonne définition. Ouais. Peut-être pas plus précise. Mais... Ils disent non, pas moi et tout. C'est en non, pas moi, je t'aime pas. Pas moi, je t'aime pas. Ouais, okay. Tout le monde t'aime ici. Ils n'arrivent même pas et tout. C'est une tout le monde t'aime. En plus... C'est fou que tu puisses pas comprendre là, le chat. C'est dommage à Grim, c'est passé et tout quoi. C'est une dinguerie. C'est un truc de ouf. C'est trop une dinguerie en vrai. Comment t'es débile. C'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie comme t'es une merde. 10 ans sur YouTube, est-ce que tu le referais aujourd'hui en vrai ? De quoi ? De 10 ans. Être à 10 ans sur YouTube, est-ce que si t'as
plus d'enseignements et tout. Là, t'as 10 ans maintenant, tu te lances vraiment sur tu t'exposes. Là, il a pas 10 ans maintenant, il est beaucoup plus vieux, frère. Ouais, mais imagine. Non, j'imagine. Alors, en imaginant. Avec tous les risques et tout. Mais frérot, 100 fois. Encore une fois, c'est. 100 fois, mais c'est un travail monstre. Non, ah ouais. C'est monstrueux. Mais non, encore une fois, comprenez la subtilité. Okay. Je le ferais 100 fois s'il fallait dans un univers, dans un monde. Jacques, okay. Non, franchement, oui, il faut suivre. Il faut pas. T'allais dire, il faut suivre son. Il faut suivre son cœur, tu vois, et y aller à fond. Okay. Et je pense que c'était honnête. Et c'était vraiment ce que je voulais faire, donc. T'avais une démarche honnête. Tu t'étais pas en mode je veux percer, je veux machin. Mais c'est vrai que, en vrai, aujourd'hui, on a plus de recul et on sait à quel point c'est dur. C'est quand tu t'exposes sur les réseaux, tu peux vachement te prendre de trucs. Et quand t'es jeune comme ça, genre 10 ans, ouais, c'est 10 vraiment, ans, ouais. Après, c'est vrai que c'était génération. Il y avait pas encore autant les réseaux sociaux et tout. Peut-être. Donc, peut-être. Bah après, c'était quand même assez présent. Quand j'avais genre 13 ans et que j'ai commencé à montrer ma tête, tu vois. On a le même âge. T'as quel âge? 20 ans. 21. T'es plus jeune que moi. C'est une dinguerie. Ouais. Et en 2002, ouais. On arrête le live. Ça, je peux pas avoir d'invité plus jeune que moi. Ah, c'est la première fois. Parle pas trop fort. Pourquoi? Léotard. Enfin, vraiment, en plus, c'est vrai. Non, mais je rigole pas. T'as déjà fait, c'était déjà pas drôle. Ah non, mais je rigole pas. Qui dort? Non, on parlait pas. Enfin, ah, y'a Théodore qui dort. Théodore, ouais. C'est mon prénom en fait. Ce qui est fou, c'est quand on regarde ta chaîne. Ouais. Du coup, vu que t'as commencé très jeune, même si au début tu montrais pas ta tête et tout, on peut carrément te voir grandir. C'est vrai. Tu vois, genre t'as tout ton ado et tout. Enfin, tu peux tout voir sur YouTube. Tout ton ado, l'essence. C'est vrai. Bon, moi j'ai quand même une vraie période de 2 ans, de disette de 2 ans. Je fais de la musique, hein, je fais du rap, je fais des rimes. Demandez-moi n'importe quoi. Rime avec caméra. Rime avec caméra. Ça tourne au son grec. C'est nul. Grec? C'est juste un grec. C'est la plug musique. Mais tu pourrais pas faire genre caméra avec cadmerad? Là, il y aurait eu un. Mais ça rime pas. Si, ça rime. Grim. T'es noir. Tu fais du rap. Bien dit, ouais. Dealer, mon gars. Ouais, mon gars, ouais. Ouais, la kip. Ça dit quoi? Ah, frérot. Tous les trois? Non. On va monter un groupe de musique. Non, frérot. Ok. Bah écoute, est-ce que t'assumes encore toutes les vidéos? Alors c'est ça qu'il faut dire. En vrai, je me gêne de fou de voir rien que mon visage et tout, d'entendre les vannes. C'est pas, tu vois, c'est pas hyper drôle et tout. Mais je suis trop fier quand même d'être passé par là. T'as un côté en mode, tu reviens de loin et tout, content de voir ça, non? Non. Hein? Non, plus un truc de fierté, genre content de moi, je reviens de loin et tout, tu vois, plus un truc comme ça. Ok, oui. C'est vraiment ce que j'ai dit, quoi. Tu l'as moins bien dit. Tu l'as bien moins dit, Grim. Tu l'as moins bien dit, Grim. Je parle fort alors que Théodore. Ça, c'est une dinguerie trois fois. Voilà, c'est une blague. C'est une dinguerie de faire ça. Déjà, en fait, quand une blague écrisio l'a déjà faite, faut la lâcher. Genre, même moi, j'aime bien. C'est une dinguerie de crier alors qu'il y a Théodore. J'aime bien les blagues gays comme ça et tout, mais quand écrisio a fait une blague, faut mais pas la faire. Moi, ce n'est pas une blague. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas une blague. Okay. C'est pas une blague, c'est vrai. Okay. C'est vrai. Y a à mon sens une vidéo qui est assez importante. Alors, ça, peut-être, c'est que mon ressenti. Je sais pas si vous partagez le rêve. Wesh! Quel mot t'as dit là? C'est quoi ce que je t'ai dit? Partagez le rêve. Je sais pas si vous partagez le même. Ah, c'est pas grave. Ressenti que moi. Ok. Mais je trouve que la vidéo Freeze Curl, imitation Freeze et tout. Ouais, je crois qu'il y a eu un step qui est passé. Il y a quand même un truc où il y a eu un espèce de. En avant et après. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est. C'est pas hyper. Je suis pas sûr que ce soit un avis général. Je crois que c'est très Twitter en vrai. Peut-être que c'est à partir de ce moment-là que. T'as touché un nouveau public, quoi. Un nouveau public, tu vois. Pas forcément plus gros et tout, mais un nouveau public qui fait peut-être plus de bruit, tu vois. Ouais. Et. C'est le public qui fait plus de bruit. C'est ça, Grim. Et Théodore, c'est vraiment, ça, Grim. Vraiment, Théodore, faire de bruit. Mais du coup, ça a touché un nouveau public. Et puis, je suis arrivé quand même avec quelque chose où peut-être maintenant les gens me voyaient un peu dans la parodie. Ça m'a suivi un petit peu après, tu vois. Mais tu l'as ressenti, pas tant dans le. Si, franchement, je l'ai ressenti à ce moment-là. Ouais. À ce moment-là, je l'ai ressenti que peut-être il allait peut-être se passer quelque chose dans les mois à venir si je continuais à envoyer, tu vois. Et ça. Tu fais bien de le dire, t'as bien révisé tes fiches. Tu partages un peu mon analyse. Je partage ton analyse. Moi, okay. Je vous partage aussi l'analyse. Tu vois ce qui vient? Ouais, je la partage. Vas-y, fais-le. Partage. Ah non, je suis con. Non mais frère. Non mais voilà, mais cassez-vous, mais casse-toi. Mais viens avec moi, ce connard.
Je vous dis depuis tout à l'heure, il y a Théo qui dort. Je vous le dis, ça fait une heure. Ça fait une heure que je me fais ici à vous dire qu'il y a Théo qui dort en dessous. Et là, vous faites ça, vous. Virez-moi ce connard. Virez-moi ce mec. Putain, mais c'est un truc de ouf. Mais il dormait vraiment. Mais Théo, il dormait vraiment. C'est un truc de ouf. Mais Max, on demande de faire l'ours. Mais on te demande de faire l'ours. Mais Ben, il a raison, frère. Mais Ben, il a raison. Bossez vos interviews, faites un truc, frère. Putain, mais bouge. Il a fait tomber le. C'est dingue, mec. Je fais l'ours. Moi, je sais pas. Ah oui, tu m'étonnes. J'ai eu peur du crazy. Mais donc, il est fou, cet ours ou quoi? Il est crazy, ce Bear. C'est par rapport à... Parce qu'en fait, les gars, en gros, il y a Crazy Bear, c'est le film. C'est par rapport au film. Bande annonce à la toute fin et ça pète sa mère. Il sort bientôt en France. State United. Oui, le 15 mars. Allez voir ça. Hein. Mais du coup, Théo dormait vraiment, en fait. Je vous le dis, les gars, tu le disais vraiment. Moi, il faudrait que je te fasse beaucoup plus confiance. Je suis désolé. Les gars, je vous jure, franchement, je suis là, j'essaie de vous dire. Vous me dites, oh, trop marrant la vanne. Je vous dis, les gars, c'est pas une vanne. Encore plus loin du dossier, non ? Non, mais en fait, ça m'énerve. Je vous dis, c'est pas une vanne. Je vous le dis que c'est pas une vanne. Vraiment, sincèrement, je te ferai plus confiance. Je suis désolé, vraiment. Non, mais vraiment. Vraiment, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave, mais bon. Bon, du coup. Dis-moi tout. Sur cette période, il y a vraiment un vrai virage, je trouve. Parce que t'es passé de... T'avais l'humour et la musique. Tu vois, il y a eu un petit... Ouais, c'est peut-être à ce moment-là que j'ai allié mes deux passions. Après, t'as fait... Tcha, on arrête les deux et on fait plus jamais de vidéos et de musique. Et non. Bah non, pas du tout, t'as pas du tout suivi ma carrière. Si. Il n'y a pas regardé. C'est quoi ta vidéo préférée? Ce rappeur qui... Tu as aimé, sincèrement? Oui, non, sincèrement, oui. Le 2, c'est ta préf? Ouais, je pense. Mais j'ai vu les deux. Ok. Peut-être que tu vas pleurer sur le poulet qui sort... qui sort... En fait, vendredi, je sors ce YouTuber. Pourquoi tu dis par rapport au poulet? Hein? Pourquoi tu dis ça? C'est le même avec Caris. C'est le même, ça? Bah oui. C'est quoi ce poulet? C'est quoi ce poulet? T'aurais pu me le dire un mot, si ça veut dire. Oui. Ok. Mais ça veut dire quoi, ça? Je t'aurais dit, c'est quoi cette blanquette de veau à toi? Ah ouais, donc il y a bien, voilà. C'est bien ce que je pensais. Mais tu veux dire quoi sur le poulet et nous, là? C'est quoi le poulet et... Enfin, je comprends pas le... Quoi, bah, cette période, je disais, j'avais... c'est parce qu'en fait, il y avait un vrai virage d'humour et tout, musique. Il y avait le freestyle payday, il y avait le rap... T'as dit quoi, là? Pas d'interrogation dans la chat. T'as dit quoi? Ça, c'est pas... T'as dit un mot banni, là? Ça, c'est dans le rewind. Rewind. Et on pouvait pas se quitter. C'est un Maxime Biaggi qui dit un mot. Pas très bien. Je suis dans le best-of et ça me rend dingue à chaque fois qu'ils mettent. Le rap, c'est un truc que tu kiffes depuis tout petit, mais vas-y, nique le fauteuil, frérot. Nique le fauteuil et vraiment, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème avec ça. Cool. Voilà, je te le dis, il n'y a aucun problème avec ça. On vient de l'acheter, on n'a pas une thune, on est là, on fait des sponsors, on fait des trucs, on n'a pas d'argent. Arrête de dire pas une thune, frérot, tu manges une pizza avant même que l'émission commence, pour ça on est en retard. Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Mais c'est quoi le putain de rapport? Le rapport, quel est le rapport? Il m'a eu. Non, tu m'as baisé, bien joué. Non, bien joué, Grim. Non, bien joué. Non, là, GG Grim. Ouais, le rap, du coup, c'est un truc que tu kiffes, quoi. Le rap, c'est un truc que j'adore. Je suis tombé dedans très tôt. Obélix ou quoi? Ah, tu vois, c'est pour ça que j'allais la faire, donc c'est très très fort. C'est pour ça que j'aime bien recevoir les gens comme ça qui sont forts, parce qu'il me fait des vannes, il me fait que des masterclass. Attends, t'as insinué quoi? T'as insinué que Léna, elle a pas fait de vannes? J'ai insinué que c'est mieux que toi. C'est quoi ta première claque rap? Est-ce que t'as vraiment un truc qui t'est arrivé, vu que t'écoutes ça depuis petit, un truc qui t'est arrivé, t'as bac, tu t'es dit waouh! C'est quoi ce truc? C'est quoi ce poulet? Non, pas toi, arrête de dire ça. Okay. Toi, tu peux pas dire ça. Arrête de dire ça en vrai. C'est bizarre quand tu le dis. C'est chelou quand tu le dis. Arrête de dire des trucs comme ça, tu ne maîtrises pas. Tu vas sur des terrains que tu ne maîtrises pas. Quand tu le dis, c'est mauvais en fait. Tu ne me maîtrises pas. Mais t'es bon à rien. J'aime juste qu'on parle. J'aime juste le poulet et je me suis dit qu'on pouvait faire l'analogie, comme il fait, le même. Non. C'est pourquoi quand c'est moi qui fais, ça marche pas. Tu peux pas le dire, toi, c'est. Pourquoi tu parles d'anal? En plus, t'es dégueulasse. J'ai le droit. Non, en live Twitch, il y a des enfants qui regardent, tu dis ça. Première claque crap. En parlant de claque. T'as fait un mannequin challenge. C'est pas du rap. Non, parlant de claque, peut-être que, vu que peut-être tu dis claque et c'est ça qui me fait. Mais c'est le bruit de mes boules contre tes fesses. C'est peut-être un des événements rap qui m'a le plus marqué dans ma jeune vie. Hein. Quand Leto il a dit ça, ça m'a choqué, moi. C'est pas Leto. C'est pas Leto, mais c'est pas grave. C'est un petit. C'était plutôt les RC, quoi. Ouais. Non, ce moment m'a beaucoup marqué. Mais je dirais qu'en rap en tant que tel, moi j'ai ma tata qui faisait du rap. C'est dinguerie de rire sur ça. Non, wesh. Non, mais wesh. Enfin, elle faisait des concerts, elle avait une carrière.
Attends, t'as fait des showcases. Les gars. Les gars. Satan, t'as fait des trucs avec Rof. Satan, ça, Ice Lems. Après, je... Après c'est, les... enfin, c'est la famille en vrai. Oh. Et mon neveu qui est youtubeur. Non, non, j'étais. Arrête d'être chiant là, par contre, en fait. Arrête d'être chiant, Grim. Non, mais non, t'attends, t'as dit girafe, c'est une dinguerie par contre. Et peut-être que du coup ça m'a inspiré et j'avais. Mais elle rappelle comment c'est vraiment en mode blague, genre elle faisait quel genre de rap? En mode boom bap. Bon, c'est la langue du pays quoi. Ouais, normal. Pourquoi tu rigoles beaucoup trop? C'est une dinguerie de rigoler sur le rap de ma grand-mère en fait. De ma tante, c'est une dinguerie de rigoler sur le rap de ma tante, frère. Arrête. Quand ta daronne elle fait un truc. C'est terrible parce que j'ai reconnu l'EP, j'ai écouté moi aussi, j'ai kiffé. C'est une dinguerie, frère. Tu rigolais beaucoup quand même pour. Ouf. Mais franchement, elle avait des vraies faces, quoi. Elle avait des vraies faces. Ah, il y avait des bars. Et j'avais une autre tante aussi. Qui était musicienne. Ouais. Et qui a fait de la musique avec Rockin' Squad de Assassin. Ah, oh, waouh. Et donc, je l'ai rencontré tôt, tu vois. Ah, donc tu baignes dans le rap. Mais en fait, c'est vraiment. T'es Obélix ou quoi, en fait? C'est une dinguerie. Il a fait la même vanne juste avant, quoi. Et c'est moi qui l'ai dit, tu vois. C'est fou. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est vrai qu'il y a tout ça, et en vrai, j'ai envie de dire qu'après il y a Section d'Assaut qui arrive, je vais le dire, hein, du coup, si j'ai envie de le dire. Tu l'as vraiment dit, y a quoi, Section d'Assaut qui a... Laisse, arrête de couper, par contre, c'est un truc de fou. T'es là, il essaye de parler, c'est mon interview de dire des ou trucs, c'est celle de Grimm? Bah, c'est ça, je comprends pas. Bah, c'est mon interview, c'est Grimm, peut-être écoute, demander à la régie. Peut-être c'est mon interview, bah, moi aussi le rap, pareil, bah, c'est la section, je peux personne ne te demande, personne. C'est ça qui m'énerve, moi. Personne ne veut savoir. Qui veut savoir? Fous la boule au ventre. Ça, en fait, ça me fout la boule au ventre. Ça me rend dingue. Moi aussi. Laisse les gens parler. Enfin, genre. T'es là tous les 15 jours, Grimm. S'il te plaît. Lui, il est là 2 heures. C'est mon moment. C'est mon moment. C'est son kiff, c'est son petit truc. On parle avec lui. On est là. Toi, t'es là. Tu manges ton caca. Fais comme d'habitude. Et c'est bon. Et tout le monde sera content. Non, mais si. Voilà. Hop. Après, tu mets sur TikTok. Les gens, ils sont contents. Tu ne fais pas chier. Là, c'est raciste. Là, c'est raciste. Pas chier. La section d'assaut arrive. Ça met une claque. Et un peu plus tard, mais je reste très jeune, je me souviens de l'arrivée de Caris. Ah oui. Qui m'a complètement matrixé. Là, je suis passé dans un truc de oula, j'ai envie de tuer des mamans ou quoi. Ah ouais. Il vient vraiment de faire un aveu de meurtre en live, là. C'est vraiment. Ouais, non, mais ça arrive, ça c'est rien. Ça c'est rien. Elle rigole pas. C'est rediffusé ou quoi? C'est en direct, quoi. C'est en direct. C'est en direct. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est vraiment direct. Et moi récemment, je pense, j'ai écouté Zo de Caris. Et j'ai vu que les vidéos, ben voilà, elles cartonnent. Ouais. Tu commences très jeune et tout. Ouais. C'est quoi ta vie à ce moment-là, là, quand tu commences à percer un peu et tout? Ah, c'est les putes, c'est la coke, c'est les bateaux, c'est les spines, c'est la vie d'artiste. T'avais 10 ans. Mec. Rio, Cancun, Marbella ou quoi? Quoi? Tu dis ça? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? C'est la phrase de Freddy Gladio. Vous avez pensé quoi du combat Shirigan John Jones? En vrai, c'est très décevant. Moi, je suis s'est réveillé grave longtemps. Moi aussi, j'ai fait une nuit blanche, gros. Je voulais regarder le combat. Et bah, petite déception quand même pour la soumission. Force à Cyril, en vrai. Premier. Et Gann, respect à toi. C'est pas que j'ai peur que tu mettes une droite, mais respect, tu rebondiras plus fort. Respect, mais voilà. Vraiment. Mets pas un pied à Webedia parce qu'il va t'arriver des bricoles. Avec Grimm, on va t'attraper. Non, dis pas. Surtout Grimm, en fait, qui veut t'attraper et que moi j'essaie de raisonner. Non, c'est vrai que tu me disais ça aussi tout à l'heure. Pourquoi tu peux attraper comme ça, Cyril? Mais c'est des ouf, quoi. Hey, dans le chat, envoyer des messages à Cyril, dire Grimm, il veut se taper avec Cyril. Mais non, Grimm veut se taper avec toi. Bon gamin. Grimm veut tape, faut dire ça. C'est ça, Grimm veut tape. Hashtag Grimm veut tape. Non. Ouais. Bon gamin, non, je veux dire John Jones. Oh putain. Tu vois, Cyril, dans la provoque, c'est que la provoque. Arrête de provoquer comme ça, c'est quoi la suite? Tu vas faire la danse de Cyril? C'est quoi la danse? Je sais plus. Là, sincèrement, en fait, t'as dit qu'il dansait et au lieu de s'entraîner, mais t'es un ouf quoi? Je dis ça. Mais t'es un ouf, mais tu veux te mettre dans la merde de quoi? Moi, Cyril, je le connais, faut pas lui manquer de respect. Hein. Donc, tous les deux, vous allez taper Cyril? On veut pas taper Cyril. Je veux pas taper Cyril. Mais Grimm veut un peu. Non, moi, je veux pas du tout taper Cyril. Moi, je veux dire bonjour, enchanté, et la prochaine fois, tu feras mieux. Et raconte pas ta vie. Du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu. À ce moment-là, quand tu commences un peu à marcher et tout, tu dis, OK, là, je vais tout consacrer à YouTube. Bah à non, quel parce moment que t'as switch? En fait, je commence à marcher, donc je dois avoir un an et demi et je me pose pas ces questions-là. Quoi? Quand je commence à marcher, je me dis, je me dis plus, les prochaines étapes, c'est peut-être le dialogue, c'est ça. Arrêter de se chier dessus, le lait.
Ouais, tu vois. Ouais. Bah ouais. Et à chaque fois, je tête, mais wesh, il est lent ce lait. Tu es mort. On disait tous ça quand on était vibrant. Par contre, un an et demi, c'est grave jeune. Bah, c'est ça, la c'est moyenne, ça. C'est brevet. Enfin, moi, je crois que c'était brevet. Non, c'est là que ça a commencé à marcher. J'ai commencé à marcher. Tu es au brevet ? J'ai commencé à marcher à. Voilà. Non, d'ailleurs, très vraie anecdote, j'ai commencé à marcher beaucoup trop tôt. Genre vers 8 mois, premier degré. T'as arrêté de marcher à 8 mois ? Non, j'ai commencé à marcher. Et je courais partout. Attends, tu parles de YouTube ou tu parles de marcher là vraiment? Bah non, il parle de marcher, mais il marche quand il était bébé quoi. Ok. Bah, ouais. Ok. Et j'étais tout petit et ma mère elle disait, putain, il... bon, elle disait pas comme ça, elle disait, putain là, il court là, le petit. Mais pourquoi ça te fait rire en fait? C'est une dinguerie que ça te fasse rire alors que juste je parle de ma daronne qui. En fait, il a juste dit qu'il courait vite quand il était petit quoi. C'était... Non, y a rien qui me fait rire. Je suis juste normal, je suis juste là, je fais ma petite adoration. C'est bizarre, on dirait que t'es pas normal. Vraiment, et ça me rend dingue qu'à chaque fois que je parle de quelqu'un de ma famille, tu. Ouais, en fait, c'est un manque de respect énorme. Genre, l'invité, il vient. C'est une dingue. De tous les membres de sa famille, c'est un truc mais de fou, les gars, on est dans Squid Game, quoi. Je suis en train d'être normal avec vous. Alors là, on est plus. Ouais, on est plus dans. On est d'accord, je voulais pas le dire. On est plus dans. Dis-le. Le Marvel, là. Dis-le, je peux pas le dire, moi. Tu parles de quel Marvel? J'allais juste dire, on est plus dans une émission. Quoi, Ant-Man ? Dans un late show ? De quoi tu parles, frère ? De quoi tu parles ? Captain America ? De quoi il parle ? Captain America ! Oh ! Okay. Parce que t'es la Rosta ! Ok. Tu parles pas de Black Panther, quand même. C'est quoi ça ? Mais attends, je crois qu'il y a eu un quiproque. Oui, il y a un quiproque. Au moment où tu truc marchais. Il y a eu un quiproque. En fait, il y a le quiproque. Je pense qu'il voulait dire marcher sur YouTube et pas marcher quand t'étais un bébé, un nourrisson, un bambin. Ah, comment je l'ai vécu ? Est-ce que à quel moment t'as switch en mode. Ok, je continue que YouTube ou je fais aussi un peu l'école ou je fais que YouTube. Je vais à l'école aussi ou c'est que les petits? Que les petits. Bref, Snapchat et tout. Et bah. Oh my guy froze, petit mème encore. Là, j'enchaîne. Ah non, pleure pas. Pleure pas, Théo, pleure pas. Tu sais très bien que quand je vois ta petite tête pleurer comme ça, ça me donne envie de pleurer. Ça me détend enfin. Arrête de faire le light skin, là, dis-nous. Il fait le coco Jojo. Toi, tu peux désolé, pas, les gars. Ah ouais, non, oh. On touche un point sensible. Bah, ça me rappelle mon enfance. Regarde tout, la cam si tu pleures, ça fait du buzz, on fera sur TikTok après. Préparez l'équipe. Arrête en vrai. Okay. Parce que tu vois, ça me touche, ça fait revenir des moments de ma vie. Ensemble, frérot. C'est chiant quand tu me coupes. Et que c'est perso, tu vois. J'essaie de te mettre à l'aise. Bah, il a l'air vachement à l'aise. Là. Et je trouve envie de péter. non, abuse. Non, je te jure, non, abuse, c'est, là. Non, c'est anecdote. Là, tu vois, depuis tout à l'heure, je me retiens de roter. Bah, maintenant, j'ai envie de péter. En fait, mais mon corps. C'est mon corps, c'est en bas, ça sort par tous les trous. Mon corps a un blocus à faire. Là. Non, mais calmos. Bah, non, mais je pète pas. Mais j'ai envie. Et ouais. Ce switch, là, où tu t'es dit, j'arrête YouTube, j'arrête pas. Je sors une vidéo où je parle de Amine Morito qui se souvient. La carrière Morito. Bubs. Ouais. C'est ça. Ouais. Et voilà, je fais une vidéo où. Inspiré par les grands, Mr. V, Norman et tout. Et les autres, plein d'autres. Il ouais, est inspiré par plein d'autres gars, les gars. C'est un truc où ouais, je parle de cette dinguerie qui est Amine Morito, pour les personnes qui se souviennent. Et là, ça explose, buzz de fou. Oh, c'est qui ce petit? Oh, c'est trop, quoi ça par rapport, enfin, en fais trop par rapport à ce que c'est? Non, tu peux, dans l'illustration... Non, c'était dingue, hein. Ah, okay. Ah d'accord, okay. Je suis passé genre j'avais 10 000 abonnés quand même, j'avais réussi à avoir une communauté à ce moment-là. J'ai 13 ans, je suis en 3ème. Ça c'est beau. Et 3ème à 13 ans ? J'ai sauté une classe. Oh, moi j'ai redoublé. C'est dur, frère. Ouais. C'est pas si grave. Hein. On s'en fout un peu, ouais. J'ai très mal vécu redoublement, mais après. Ah, parce que t'es plus avec tes potes, mais en vrai c'est rien. En vrai c'est vite allé mieux. Mais vraiment on s'en fout parce que oui, c'est vraiment pas grave, hein, vraiment pour les personnes qui redoublent et tout, vraiment c'est pas grave. Franchement vous allez vite oublier. En van, vous perdez une année qui sauvera les 30 prochaines. Et là j'ai dit un truc sérieux. Bien joué, en vrai. Les 30 prochaines ? Ouais, possiblement, ouais, ça peut. Parce qu'en gros, redoubler. Tout est effet boule de neige. Redoubler, hein. Ça te fait refaire une année, ça peut être chiant sur le coup, mais t'as le temps de plus réfléchir à ton avenir, tout ça, voir plus de trucs. Ah, et que mais... en perdant une année, parce que tu dis, putain, exactement. Je perds un an, je perds toute ma vie, mais en fait, en prenant cette année de redoublement. C'est long, là, Grim, c'est long. Ouais, c'est un peu long. Et sinon, vous êtes pas con et vous redoublez pas, mais bon, ça, c'est pour vous demander. Et visiblement. Je suis en 3ème et ce truc sort et je passe littéralement de 10 000 à genre 100 000 abonnés en, ah ouais, en 10 jours, tu vois. Ah oui, d'accord. C'était une dinguerie, tu vois. Vraiment. Mais ça va, Social Blade, là, c'est pour rien, nous fait. Non mais attends, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Comment on vit ça quand on a 14 ans? C'est ouf, 13 ans. Franchement, à ce moment-là, je me pose aucune question. Ah, t'es... Je me pose aucune question. Je kiffe. Je suis là en mode, bah trop bien. C'est pile ce que. Enfin, je suis trop content que j'ai toujours fait ça. Et là, enfin, plein de gens peuvent le voir, tu vois. Ok. Évidemment, ça change la vision des gens que les gens peuvent avoir sur moi.
Est-ce que ça m'a fait du mal à ce moment-là? Non, j'étais beaucoup trop jeune pour comprendre qu'il y avait du fake et ouais, donc, énormément. Tu vois, juste c'est un truc, je l'ai assez bien vécu, mais encore une fois, si je l'ai aussi bien vécu, c'est ouais. surtout, et je tiens vraiment à le dire à tout le monde, que c'est l'entourage qui fait bien vivre ou ah ouais, les choses. Enfin, 995. Ah, Nekfeu, il t'a apporté beaucoup. Jazzy Baz, ils sont tous là, ils t'aident. Rien à voir, je parle de mon entourage. Ok, non mais précise. Ok, rien d'accord. à voir. Vraiment okay. savoir quoi tu parles. Désolé les gars. Pas de souci. C'est pas clair. J'ai pas été c'est clair. Pas ta faute. Mais t'as pas été clair. Mais c'est pas ta faute. Mais t'as pas été clair. Ok. Et c'est tout mon entourage à moi. Ok. Qui a été génial parce que ça m'a toujours protégé et encore aujourd'hui, ils m'ont toujours protégé de tout ce qui pouvait être néfaste à cette notoriété naissante. Et oh, c'est des parents ou des gardes du corps là, c'est comment? Bah tu dis ça pourquoi? Parce que je suis africain. Et qu'ils sont pas obligatoirement garde du corps. Non, les non, 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 je dis ça en mode. Dans le sens, ils étaient là pour te protéger Africain, et tout, tout dans ta vie. Ne jugez pas, mon pays tu est comme il est. Tu es masca dans section d'assaut. Eh oui. Exactement. Ah, tu vois, comme c'est quoi, la dit. Culture. Arrête musicale. De pousser le desk, je vais en coller une. Wesh. Le desk. Le desk. Mais le mec, est, j'ai Jimmy Fallon. Hello there. T'as aussi fait. Ça, c'est, on va dire, la deuxième étape du pétage, c'est quand tu deviens un peu mainstream, que tu commences à faire des médias type... Généralement, la deuxième étape du pétage, c'est le caca. Vous avez rigolé, honnêtement. Non, mais c'est génial, les gars, ça fait plaisir. C'est une dinguerie, ça. C'est très drôle. C'est, ouais, donc, genre, t'as commencé à faire les gros médias, genre GQ, Combini et tout, et t'étais plutôt à l'aise de faire ça, ou c'est un truc que tu faisais, mais un peu réticent, quand même? C'est arrivé bien plus tard. Relis tes fiches. Lunettes sur le nez, j'essaie de passer incognito. Sur le B, je fais ce qu'il est condé, le comico. Je vois une go passer. Je la verrai peut-être pas deux fois. Je vais la voir. Je prends ma meilleure voix. Bien ou quoi? T'habites dans le coin ou quoi? Je t'ai vu passer dans l'allée, ton boule me rend romantique. Pièce. Il fait des appels de phare quand il bouge de gauche à droite. Je suis obligé de réagir. Parce qu'elle est jombe. Des jombes. Le bas du dos est bien bombé. Elle est jombe. Waouh. Bravo, 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 bravo! Oh putain, il m'a mis les larmes! Moi, c'est quand il a dit pièce, waouh, j'ai failli pleurer quoi. Mec, il dit pièce, il te le sort là. Il va le chercher là. Là-dedans, il va le chercher, au fond de lui, tu vois. C'est dingue. Toi, tu chantes jump pour voir? Il est 7h passées. Je suis toujours pas chez moi. J'ai oublié de me raser et j'adore le chocolat. Théodore, en 2011, vous. 2021. On les dérange quoi? Non. C'est quoi le truc? Il rigole si fort. Théodore 2021, Joyka, Mastu quitte la Redbox et décide de créer quoi le LOAC. Tu savais pas? J'ai cru qu'ils ont quitté la Redbox, ouais. Je suis désolé. Non mais c'est arrivé. Désolé, je suis désolé. Ouais, non mais c'est arrivé il y a 2021 quoi, comme j'ai dit, mais. Wesh, mais Grim, t'es trop drôle. Je vais te pleurer, merci. C'est vrai, gros. Merci. C'est vrai. Wakanda, son frère. On est en bleu sang, non? On est en bleu sang, mon frère. Ah, oui. On est en bleu sang, les gars. Vas-y, toi. Il quitte la Redbox. Ouais. Il crée le Lot. Ouais. Alors, pas du tout la région. Hein. Certains ont cru que c'était le Lot et Garonne. C'est pour ça que je précise. Personne n'a cru ça. Personne n'a jamais cru ça. Parce que ce serait dingue, en vrai, qu'il crée une région et tout. Mais en vrai, c'est pour le coup, là, c'était pas le cas. Ils ont fait un truc bien plus dingue. Hein. Ils ont non, créé c'est un... beaucoup moins dingue, en vrai. C'est juste un collectif, quoi. Enfin, bref. Bah ouais, parce que par contre, pour le coup, attends, je tiens à revenir sur ça. Vraiment, ils n'ont pas créé un collectif. Ils ont créé, bon, bien sûr, il y a une alchimie qui s'est créée et plein de vidéos qui se sont créées ensemble. Pas tant que ça quand on regarde. Mais quand même, il y a eu pas mal de vidéos ensemble. Mais c'est pas un collectif qu'ils ont créé. C'est vraiment, ils ont juste centralisé leurs équipes dans un super local. Et, alors, et ils m'ont dit, gars, tu veux venir? Ouais. Et comment attends, c'est mais fait Mastu, j'ai fait, ouais. Mastu, Actuan, Théodore, oh, c'est un groupe de youtubeurs ou collectif métissé? Comment s'est fait la connexion entre Mastu et l'autre connard Oh, mais t'es vachement à l'aise. C'est, en plus, c'est qui l'autre connard? Joyka. En mode, c'est énorme. Bah, les gars, non, bah, tu l'as reçu ici, tu chies dessus comme ça? Mais ouais. Pas du tout. J'ai dit quoi?
Mais t'as vraiment dit que c'était un connard de merde. Mais, t'es un gros con. Mais quoi? Mais t'as fait quoi? Mais les gars, à quel moment j'ai dit que c'était un connard? Je suis persuadé qu'il a dit là tout à l'heure, non? T'as vraiment dit avec Massu et l'autre connard. On est sur la lune, on est dans l'espace avec vous, les gars. On s'est trompé dans le parking de OVD. Faut vraiment redescendre et se remettre les En vrai, on va te laisser le bénéfice du doute et peut-être qu'on a mal entendu. Mais oui. Vous me vérifiez ça en post-prod là, les gars. Vérifie ça. Je peux moi aussi lancer des trucs? Ouais, lance, n'hésite pas. Lance un jingle. Tu veux lancer le jingle invité? Voilà. Il faut que tu dises bien. Vous dites quoi? On accueille l'invité du jour et tu dis jingle. Ok. En régie, on met un start. Non, mais c'est. Ça dit quoi, les gars? Ça va, les frères? Ça va, les frères? Ça va, mon gars? Ça fait plaisir, les frères. Avec toi. Et merci, hein. Ça va, de rien. Merci pour l'invite, en vrai. De rien. C'était trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie, frérot. On voulait revenir. Première question, mon gars, t'attends, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Non, mais personne ne lance un jingle comme ça. Non, si, il était bien. Écoute, Mastu, je l'ai connu très jeune. Et con! Certainement, ça allait ensemble, mais pas la peine de le souligner. Hein. Ouais. Pas la peine de le souligner. Ok, pas la peine. Ouais, c'est vrai. Pas la peine. Tu chantes? C'est un freestyle? Il était sur Bouscapé là? Pendant un moment. Pourquoi? Parce que direct, il est africain, c'est Bouscapé. C'est une Bouscapé direct. T'as dit. C'était ouf ou quoi? T'es dire grunt? Ouais, non, mais. Non, mais. Là, t'es à l'aise. Ouais, je vais en frapper un. Je vous en suis. Lui, il fera plus raciste. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Gars... Non, mais ça faut pas dire, c'est vrai. Pour ou contre le racisme en vrai? Contre. C'est pas... Oh les gars, c'est pas. C'est ça que j'aime pas dans les débats. Aujourd'hui, tout est polarisé. On n'est pas pour ou contre. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Il faut dire, quand tu aimes pas les haricots verts, tu dis. J'aime mais il y a plus de nuances dans ce nom. Mais oui, il y a peu de nuances. C'est blanc, tu le noir. On peut plus rien dire maintenant, de toute façon. C'est un problème, ça. C'est ça le problème. Bon. Pierre bon, voilà, tu rejoins l'autre et tout. C'est quoi le principe exactement? Voilà, parce que c'est pas un collectif. C'est pas un collectif. En fait, le principe, c'est juste, les gars, ils voulaient de l'espace. Ils voulaient un endroit pour créer. Des créateurs qu'ils aiment bien. Qui sont au même endroit, ils se sont dit let's go, on fait juste ça, tu vois. Tu fais un five, ils nous font chier à louer un truc à 1 million là. Ah, c'est vrai que c'est pas. Non, mais c'est... en vrai, c'est chiant quoi, ça coûte super cher prendre tout ça. Une blindasse. Une blindasse, hein. Ah, ouais. Est-ce que l'objectif c'était aussi de faire venir des nouveaux? L'objectif c'était purement financier. C'est honnête. On va passer à la question suivante. Hein, ou un... De toute façon, non, en vrai, est-ce qu'on peut parler quand même un peu de ça? J'ai envie de leur faire un bisou premier degré. Mastu, je l'ai connu il y a un moment. J'étais très jeune, donc ça à partir du moment à peu près collège, je crois. Non, je suis en seconde. Ah oui, donc ça fait comme ça. Je suis en seconde, donc ça fait un petit moment. Et en fait, j'adore ce qu'il fait à ce moment-là. Il doit avoir 20 000 abonnés. Je lui envoie un message. Je fais, mec, t'es trop fort, viens, on fait un truc. Et on a fait 2 vidéos chez lui en une après-midi. On s'est rendu compte qu'il y avait une alchimie, tu vois. Ah, du coup, de suite, vous avez continué ensemble et tout. Et Joyka, du coup, vous l'avez rencontré un peu plus tard. Et Joyka, lui, il est, du coup, c'était un pote de Mastu, un collègue. Ils ont travaillé ensemble à la Redbox. Ouais. Ils sont encore ensemble à la Redbox. Ils sont encore. Oui. Attends. T'es pas du tout au courant que la Redbox c'est terminé, c'est que c'est un Mixem et que maintenant c'est l'autre. Ouais, si tu veux. On recycle. En fait, on a tellement fait de mèmes qu'on recycle ceux de la dernière émission, ouais. Quoi. De celle d'avant. Mais pourquoi tu nous parles, toi? On était tous les deux dans le truc. T'es vraiment en train de faire la ref. Toi, c'est vraiment. Yo! T'as pas l'impression de prendre un peu trop de place? Enfin, juste après le Black History Month, en plus, franchement, c'est une dinguerie de faire ça, quoi. Ouais, c'est vrai, on est pas. On est différents, mais. On est pareil dans le cœur. Le tout, c'est. Ah. Mais ouais, je rencontre Joyka à ce moment-là, moi. Vraiment, quand. Non, quand... mais vas-y, laisse tomber. Laisse tomber. On va passer à la prochaine question. Vas-y. Parce que j'en ai rien à foutre. Tu crois que t'es au bar ou quoi? J'en ai rien à foutre. Donc j'en ai rien à foutre, on va passer à la prochaine question. Théodore, il y a une vidéo de toi récemment qui a fait beaucoup parler. On n'est pas obligé de s'étaler dessus si tu veux pas. Mais c'est la vidéo sur ton appartement hanté. Des gens pensent encore que c'est fake. Là-dessus, toi, voilà, on est d'accord. Voilà, c'est un truc qui s'est vraiment déroulé dans ton appartement. Et que ouais. Premier degré qui te pourrit la vie, quoi. Bouh. On parle de vrai trauma, quoi. On parle de trauma, hein. Le gars fait des blagues sur des traumas. Non. Il fait des blagues sur des traumas. Non, mais Boo, c'est le perso que je prends sur Mario Kart, quoi. Ok, Mario Kart, donc il y a Boo. Mario Kart, Boo. Et ouais, c'est une vraie vidéo. Tout est réel.
à prendre ou à laisser. Hein. Vous prenez, ça se consomme, ça se regarde. Oui. Mais petite anecdote, à partir du moment où la vidéo sort, j'ai plus du tout envie qu'on m'en parle. Parce okay. que moi, je le vis en fait. Là, j'ai fait la vidéo, je l'ai lancée, maintenant, j'ai plus rien à y gagner. Là, c'est plus fun. Mais même, le fait même en déménageant, tu le vis encore ? J'ai pas déménagé. Mais le fait que tu écoute, la sortes. Justement, c'est ça le truc. Vas-y, le jour d'Halloween, déjà, on dit. Logique. Logique, ouais. Déjà, on en dit. Fait, tu dis en mode ouais, c'est. Frère, ça fait des mois que je savais que j'allais tourner un truc, vu que je recueillais des témoignages et tout. Bien sûr, ouais. Ça tombait pile à ce moment-là, plus ou moins. Je lui ai dit, bah, à trois jours près, une semaine près, évidemment qu'on va le sortir à Halloween, tu vois. Allez, mais allez, avec le recul, je me dis, t'as dit quoi ? En caisse. De quoi en caisse ? Moi, je voulais un mot en mode. Vas-y. Pourquoi tu fais des. Franchement, je veux grave te défendre, là, tu fais des interventions inutiles. Tu dis des mots au hasard, en fait. Tu dis des mots aléatoires. Bah, vous savez quoi ? Attendez. On revient avec l'équipe, on se prépare et on reviendra plus fort, ok ? Ok. Ok. Vas-y. Ok. Non, non. Mais tranquille, quoi. Mais juste, ouais, gamberge un petit peu. Gamberge un peu. Ouais. Et ouais, donc voilà, je veux plus en entendre parler à ce moment-là, tu vois. Ouais, vraiment, non, normal. Je veux plus en entendre parler parce que moi, c'est fait. Et là, je n'y gagne plus rien à part de la peur. Ouais. C'est lunaire. À chaque fois que j'en parle à quelqu'un, je me rends compte que, putain, je suis en train de parler de quoi. Mais hier, Grim, ça y est, reviens avec nous, c'est bon. C'est bon, t'inquiète. Ok, c'est bon. Okay. Ouais. Et hier, en fait, ça faisait un moment, je n'étais pas allé à Angers dormir chez moi. Mais mec. Une crise de paranoïa, franchement, je vais en reparler, évidemment, qu'on parle avec le grand JD, il va peut-être venir. Maintenant ? Donc j'en reparlerai. Il y a le grand JD derrière la porte, là. C'est vrai ? Ouais. C'est trop bien. Mais j'ai pas prévu l'interview, j'ai rien prévu pour lui, ça m'emmerde un peu. Bah vas-y, bah va l'accueillir, en vrai. Ah ! Ah ! Wesh ! Non, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? À l'aide ! Elian ! Elian, viens m'aider ! Elian ! Elian, viens m'aider, j'ai peur ! Wesh, les gars. Je suis là, mon frérot, je suis là. Ah, ça va mieux ! Ça va mieux, ça va mieux ! Ça va mieux ! Ah, putain ! Mec. Ah, j'ai eu peur, ça s'est éteint d'un coup ! J'ai eu peur ! Ah, mon gars ! Quoi ? Non, mais tranquille. T'inquiète. Regarde, c'est un truc, ça décolle juste là, mon gars. Ah, ok, c'est la prise. Ok. C'est good. C'est quoi ça ? Quoi ? T'as des marques, Elian ? L'esprit t'a laissé des marques ! Il s'est fait marquer par un esprit, mais c'est quoi ? Regarde l'esprit, ce qu'il lui a fait ! Je suis sûr ! Oh ! Non mais quoi ? Attends, tourne-toi ! Mais c'est... Ah non ! Non ! C'est un fantôme qui a fait ça, c'est horrible en plus ! Mais qui a fait ça ? C'est moche ! Mais tu t'es fait attaquer par un fantôme ? Qu'est-ce ou quoi ? Que c'est ? Mais non, parce que ça c'est quand c'est... C'est quand c'est... Ah, t'as entendu toi aussi ? Non ? T'as entendu ? Ok, la régie a envoyé le jingle, je crois, c'est ça ? Mais t'as fait ça quand ? T'as pas d'oreillette ? T'as pas d'oreillette ? Vas-y. Mais c'est quand qu'il a fait ça ? Mais c'est horrible, mais... Pff, la petite frayeur. En plus, à un moment où je parle du truc hanté, et là, les lumières s'éteignent. La petite frayeur. Ah, mais c'est réel, hein. La petite frayeur que je me suis prise. Bah moi aussi, attends. En plus, tu cries et tout. Oh là là. En plus, t'as une voix stridente, tu vois, elle est chiante, elle m'énerve, ta wesh. Mon gars, calmada, calmito. Tranquillou, bilou, man. On est là, on est Faya Babylone, on est chill, je suis là avec toi, je suis Zeppo, man. Sois cool. C'est quoi là, quel est la cool, man. Quel est l'objectif derrière cette joute verbale là ? Sois cool, man. On est là pour kiffer ensemble. Tu kiffes le moment ? Pourquoi tu fais le brise de Nice ? C'est là, chill, tu... man. Ouais, bon. Tu voulais revenir sur quoi ? Ouais, je voulais revenir sur un truc, frérot. C'est qu'une fois que tu vis des événements paranormaux... Ouais. Je trouve que, qu'on y croit ou pas, ça c'est ouais. Chacun, on s'en fout, ouais. Chacun oui. Pensera ce qu'il veut. Je suis vraiment loin de ça. Mais quand quelqu'un vit quelque chose de paranormal, je pense que ça doit changer le prisme, enfin sa vision à vie. Quand tu dis, mais putain, mais ça veut dire qu'il y a quoi ? Il y a une vie après la mort ? Enfin, ça te pose 100 000 questions en fait, tu vois. Toi, c'est ton cas, genre ça t'a changé profondément ? C'est une vraie question. C'est pas que la première pose. Fois que ça m'arrive, tu vois. Ok. Dans la vidéo, j'en parle et tout. Toute ma vie, j'ai toujours... ouvert par rapport à ça. Et je pense qu'à partir du moment où on est ouvert par rapport à ça, quand je parle d'ouvert, c'est pas juste d'esprit, en open-minded. Oui, c'est ça. Mais arrête de couper les gens. Je voulais vraiment... fait, plus... Arrête. En plus, c'est plus un truc de ouvert, en mode les portes sont ouvertes pour pouvoir vivre de ce genre de truc. Ouais, je comprends. Bref, voilà, tu vois, c'est assez complexe comme sujet parce que c'est lunaire. Qu'on se le dise ou qu'on y croit ou pas, ça reste lunaire. Ouais. Mais ouais, j'ai toujours vécu un peu ça. Donc, moi, j'ai toujours été dans la spiritualité, dans la croyance. Donc, ça m'a pas plus chamboulé que ça. C'est juste que là, c'était tellement concret. Et comme pour une fois,
il n'y avait pas que moi qui l'ai vécu, parce que dans mon appartement, je l'ai expliqué dans la vidéo et tout, il y a plein de gens de mon entourage, pas de l'entourage, hein. Nekfeu n'est jamais venu dans l'appart. Nekfeu est jamais venu. Jamais. Au plaisir. Hein. Ouais. Mais pourtant, pourtant tu as travaillé avec lui au lycée. Et ouais, toutes les personnes qui ont vécu des trucs chez WAM, c'est juste... cette histoire était complètement dingue, vraiment. Elle l'est toujours parce que... Oui, c'était complètement fou. Et on va parler un petit peu maintenant, Théo Russe, de tes side projects. Alors là, tu t'es vraiment trompé de Théodore, quoi. Le graphisme, c'est depuis quand que tu kiffes? C'est pas WAM. Ah, ok. C'est l'autre Théo Russe, là, qui fait là. C'est tes fiches. Change. C'est pas... Là, c'est Théo Russe. Putain de merde. C'était en cas de truc... Non, Théo Babac. Théo Babac. Ah là 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 là. Ok, Théo. On va parler un petit peu de tes side projects puisque tu décides. T'as toujours kiffé la musique et tout, mais là, ouais. Juillet 2022, monsieur s'attaque à la Snap. Il décide de mettre les deux pieds dans la sacelle. Mais quoi, il a attaqué la Snap? Il a attaqué la Snap. Non, la Snap. C'est dangereux. Ouais, ouais. Non, c'est pas attaquer la Snap, Grim. C'est une expression. C'est une expression. J'ai sorti un projet. Ok. Je l'ai vendu. Enfin, je veux dire, il est sur les plateformes. Ouais. T'as sort un jet pro et comment il. Comment ça se part, mon gars? Avec ton G Pro, pourquoi tu fais par rapport au Pura, le Pura. Pourquoi tu fais ce bruit nec gras? Bah, j'essaie de parler, j'essaie de faire le gars cool. En vrai, reste toi-même. Ouais, tu restes calme, refrais. Ok, ça va tellement mieux. Garde ta TV tranquille là. Ça va tellement mieux quand c'est toi qui dis ce genre de trucs. Ouais, t'inquiète frérot. Atisou, bah... Atisou, bah... J'ai mangé la quiche et j'ai mangé le caca. Et ce que j'adore, c'est le Tisou, bah... Je mets le tuba. Je te mets des coups, bah. La concu, elle est tube, bah. Restez sur Twitch. Et j'ai Restez sur Twitch. Comment ça se passe, le petit EP? Trois titres, le on arrive. EP, c'est le nom de l'EP. Ouais, en fait. Il s'appelle le petit EP? Il s'appelle On arrive, putain de merde. Ah, voilà, je me disais, c'était bizarre. J'ai dit On arrive, c'est le nom de l'EP. Ouais, on arrive, c'est le nom de l'EP. On arrive où? Bah, dans les charts. Plus une... Dans les charts. Ouais, en mode, en fait. En réalité, ce projet sort, c'est un caprice. J'ai trop de morceaux en stock. Mais quand je vous dis trop, c'est trop. Mais quand je dis c'est trop, en vrai, je veux dire c'est trop. Ouais, enfin, on a compris. Trop. Ouais, quand je dis c'est trop, ouais. En vrai de vrai, c'est quoi, ce que je veux dire. Quoi ce que je veux dire. Mais quoi? C'est que c'est trop. Ok, ouais, j'ai compris. Mais quand je dis ça, la vérité, la vraie vérité, c'est que je m'en bats les couilles. Wesh. La vérité, la vraie. Attends, c'est une ref, mais j'ai plus. C'est Koba. Ah ouais, je l'ai. Pense à toi, libérez-le. Moi, je dois le libérer? Non. Mais mec, ça demande une logistique, je sais pas si tu te rends compte. Faut libérer. Attends, on doit échafauder un plan. Sauf si t'es avocat ou juge. Attends, mais là, on doit échafauder un plan pour faire sortir de prison, mais c'est hyper complexe. Mais les non, plans, les machins. C'est pas à vous que je te demande de le libérer. C'est de l'impératif, mais genre. Ah, tout le monde. Ok, bah. On comprenait pas le cas, les gars. En mode freeze, on se comprend plus, les gars. Non, mais c'est ce qu'on comprend plus. Vous voulez préférer qu'on parle en anglais? Yes. Yeah. Ok. Yo. So, my hippie, we come. On arrive en you français. Can? We are coming. You come. Hey. Where? Your English is disgusting. Why your English can? Is disgusting? Why you come? Why did you come? Stop, you to stop to say that. Hey, stop. Is that like that? Instead, can you sing instead? I don't talk about this. I talk about my music. I love Mia Khalifa. I talk about my music. He said we are coming. You heard what he said. I don't say anything. He said black he don't say anything. He said the name of the album is We Are Coming. Yes, he said we are coming. On arrive. On arrive en English. In English. That's crazy, man. C'est bon. Elle parle en français, frère. C'est bon, hein. Si c'est pour dire des trucs comme ça. Ouais, bah ouais. Aristote, tu comprends pas l'anglais. C'est un caprice, ce truc. Ouais. C'est un caprice parce que, en vrai, j'ai tellement de morceaux, et j'arrive à un moment où je me dis, je vais jamais les sortir, ces morceaux. Et évidemment que si, mais ça va prendre beaucoup trop de temps parce que ça me tient tellement à cœur que ce sera parfait quand ça va sortir. Ouais, quand vraiment qu'ils soient sortis. Nous, tes potes, tes vrais potes, on en a écouté plein. Pas mon ami, en fait. Mais l'autre jour, on était au studio, t'as mis un son. Pas c'est vrai trop. Nous, tes vrais potes, on en a écouté plein, ils sont bien. Là, en plus, arrête! Quand je t'ai dit là. Ah, stop! C'est bon là! Tête d'homme, je suis juste en train de parler! Le beat switch sur le troisième son, je pense que je t'ai dit, il faut le ralentir. Y'a pas! Vas-y, pose-toi même les questions, comme ça on t'emmerde pas. Vas-y. Tiens, lis celle-là. Là, celle-là, là. Tu lis ça. On imagine que c'était un projet qui te tenait à cœur. T'aimerais pouvoir t'imposer dans la musique? Mais c'est quoi cette question là? En mode, il va dire non, je vais rester nul à 10 auditeurs par mois. Tu la fermes à tout le monde. Non, mais en vrai, non, mais tu crois il va dire non, je vais vendre aucun album et rester à 15 vues comme une vidéo de merde. Non, évidemment qu'il veut que ça marche, évidemment qu'il veut des singles de diamants et faire des showcases. Évidemment, non, mais c'est.
T'es stylé ou quoi? C'est comme après, les vidéos beaucoup plus deep que ça. C'était en mode est-ce que la musique va devenir un truc un peu plus ambitieux dans ta vie, un truc un peu plus central, voilà. J'ai jamais autant fait de musique qu'aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, t'as fait de la musique? Crime. Ah, j'ai mal compris. Générique. Oui, va chercher tout ça. Il y a pas de générique. Il y en a pas pour toi. Non. C'est que comme moi, je les lance. Ouais, c'est vrai. Start. Ouais, ouais, ouais. Ça dit quoi, les gars? What's up? Ça fait plaisir. What's up, mate? Ça va, mon frère? Ah, tranquille, et toi? Ça fait plaisir d'être là, la famille. Merci beaucoup. Ok, vas-y. Théo Babac. Non, toujours pas. Les skates courts, c'est comment? Toujours pas. Les skates courts, c'est comment? Comment ça s'est passé, les retours un petit peu sur l'EP? Écoute, les gens l'ont plutôt bien pris. Atisuba sort, franchement le son marche encore et tout, mais comme je le dis en fait c'était vraiment un caprice, c'est des morceaux que je savais qu'il n'allait pas sortir. Hey, depuis d'ailleurs caprice, ça y est, spécialement, c'est vraiment ce truc de, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça a été bien pris à la hauteur que je voulais que ça prenne, vu que ça n'avait pas vraiment de grandes ambitions, comme je le répète. C'était vraiment un truc de putain, ça y est, il faut que je lâche au moins ça. Et t'as appris des trucs un peu en faisant ça? C'était en mode. Évidemment, moi je kiffe trop, tu vois. Je kiffe trop apprendre des trucs. Ouais. Bah, comme je te disais tout à l'heure, je te parlais de mes parents et tout. Je crois qu'ils regardent le live. Hein. C'est vrai? Ouais. Salut. Dites pas de dingueries, commencez pas à faire des dingueries. Non, mais tranquille. Et mes darons, ils peuvent. Mais toi, t'aimes bien apprendre des trucs et tout. Et en fait, je me dis que là, c'est peut-être. Oh! Oh! Mais t'adores apprendre des choses. Bonjour, tes parents regardent. Et ben voilà. Bonjour, messieurs. Bienvenue en cours de métier. Il y a mes parents qui. Messieurs, s'il vous plaît. Oui, mais c'est bien. Justement, on a un cours, c'est trop bien. Bienvenue en cours de médecine. Je vous félicite d'avoir choisi cette matière. J'ai pas choisi. Vous allez sortir vos carnets, prendre des notes. Ok. On va commencer avec un premier cours d'anatomie. Comme vous pouvez le voir ici, le corps masculin, le corps féminin. Ok. Oui. Demande d'être attentif parce que certaines questions peuvent tomber au partiel. Okay. Il y a un partiel. Bon, on commence avec quelque chose de très simple. Ici. C'est la bite. Avec en dessous, les couilles là. Il y a les couilles en dessous, la bite quoi. Au-dessus, de temps en temps, il y a les petits poils. Ok. Vous notez ou pas là? Oui, on note. Ok, noter. je suis en train de dire, c'est une dinguerie là. Mais non, tranquille, prof, tranquille, monsieur. Okay. Bon, je continue. À côté là, là c'est les nénés. Et attention. Oui. Hein. Oui. Moi, il y a marqué les tchouches. Les tchouches, les nibards, ce que vous voulez. Et attention, parce que les nénés, ça peut faire lever la bite. En fonction de ce que vous préférez, ça peut faire lever la bite. Avec... Et en plus, il y a les couilles. Bon, bref. Là, on voit pas sur le dessin, mais subtilité. Là, il y a le cul, là. Avec la merde. Et le cul là avec la merde. C'est pas fini. Là, attends. Bon, je disais là, il y a le cul et la merde, la chatte quoi. Oh. Et devant il y a la chatte quoi. Devant c'est la chatte. Putain, c'est une dinguerie ce tableau, c'est. Devant c'est la chatte. Et puis. Voilà quoi, j'espère que vous avez noté. On va tout noter. Il y a des questions, quoi. Ah, bah moi j'ai kiffé, j'ai tout appris. Non, on a noté, ouais, monsieur le prof. On a appris des choses au moins. Ah, bah merci. Mais bon, pour tout le monde là, c'est là, je vous pose une question. On se connaît tout là. S'il y a une interro surprise, on saura répondre. Ok, on vous verra au prochain cours, j'espère, messieurs. Ok. Ouais. Allez, passez une bonne année. Sur ce. Pourquoi il parle comme ça? Après, pas comme ça. Je crois que c'est le moment où on ferme le rideau là. Mais c'est quoi ce prof de merde? Il sort d'où ton prof là, frérot? En fait, je me suis dit, je vous explique comment ça s'est passé. Je me dis, putain, trop bien, il y a Théo, et Théo il est jeune. Et je me dis, c'est trop marrant si on fait un cours d'anatomie. Donc là, je vais voir, j'appelle un prof, et je dis, tu fais un petit cours d'anatomie, on apprend en s'amusant quoi. Mais là, on a appris des choses. Mais là, t'as ramené Yass encore là. Par exemple, moi, le cul, je savais pas. Voilà. Qu'il y avait la merde et la chien. Oui, il y avait la merde qui pue, je savais pas. Donc ça c'est un truc que. On apprend des choses. Ah, attends, ils disent
Gotaga clash. Bon, j'ai quand même les choses directes. Gotaga, une fois, c'est bon. Deux fois, vas-y, trois fois, t'es gourmand. T'es gourmand, frérot. Là, on fait l'émission et tout, tu peux pas... On peut pas s'arrêter pour un clash comme ça, quoi. Enfin, on est... Gotaga, si on arrête notre émission à chaque fois que des hops veulent nous faire, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc... Non. Non, toi, tu n'es pas dedans, toi. Désolé. T'es pas dans le clash. T'es pas dans le clash, quoi. T'es vraiment... Toi, t'es l'invité. Hey, clash. Hey, arrête de faire le malin. Gotha, on te l'a déjà dit. T'es vraiment brouillé tout seul, quoi. On te l'a déjà dit, on va te prendre. Toi, Grim, Dwagby et moi, on va se faire au catch. Même on moi. Va se faire soulever. Même moi. Toi, non. T'es pas avec nous. Toi, tu... Non. Moi, j'attends qu'une chose, Gotha, c'est que tu me soulèves. Wesh, non. Et... Non, que je... finis vite la phrase, finis vite la et phrase. Et que je te qu'on se soulève au catch. Donc ça va arriver très vite. Ne fais pas le malin avec moi, car je fais le catch. Et gare à toi. On a vu le combat Cyril Gane, John Jones. Non, Cyril Gane va m'emmerder. Comment je l'ai éteint avec mon clash. Ouais, t'as... Théodore. Ouais. T'es l'invité de Zen du jour. Ouais. Bonjour. Non, mais après, moi, c'est vraiment l'émission dure depuis une heure. Quoi. Ah, j'avais les fiches dans le mauvais sens. Putain, j'ai commencé. En fait, j'avais pas lu la première. T'as pas lu la première. Et du coup, là, je te dis le truc du début. Refais. Ah oui. Il n'y a pas que la musique. Non. Il n'y a pas que la musique, vu que tu étais au Festival des Alpes d'Huez, là, pour la sortie d'un film, Sage Homme, ouais. Dans lequel tu joues un rôle assez important, en plus, dedans. Premier rôle, bravo. Déjà, Psartek. C'est mon premier rôle à moi, mais c'est pas le premier rôle. Non, mais c'est ton premier rôle au cinéma. Ton premier rôle. Ah, merci, Grim. Bravo. Déjà, très cool. Il y a Karim Viard, notamment, dans le film. Évidemment. Ouais. Pète sa mère, bravo. Pète sa mère avec qui, de quoi? Pète sa mère, le truc, le projet. Ah oui. Pète sa mère, quoi. Mais ouais. Tranquille, wesh. Ouais, c'est bien. Parce que moi, c'est bien. Ouais, ok. Ça sort la semaine prochaine. Semaine pro, ouais. En salle. Raconte-moi. Comment tu t'es retrouvé là? Écoute, c'était un peu mon rêve, moi. Moi, je t'ai dit, j'ai fait une petite césure de 2 ans de YouTube quand j'arrive vers le lycée. Et quand j'arrive en première terminale, quoi. Oui. Et moi, donc j'étais en littéraire, j'étais en L. Et j'avais spécialité théâtre. Et je suis tombé amoureux. Bravo. De qui? Du théâtre. Ah, et donc ce que j'ai fait après le bac, malgré les possibilités de coucher avec les strades. Encore une fois, c'est toujours ce truc que t'es en train de parler là, pendant que je parle. Coucher avec les strades, il avait devait avoir des échardes à la pile. Ah mais c'était dégueulasse. Moi je croyais que c'était une métaphore. Je pense pas. C'est une métaphore. C'était ça le théâtre? Non. Non. Trop chelou, perso. C'est super bizarre. Ça arrêtez, me... c'est de l'art que je suis. De d'accord, cet art-là. Ok. Je suis tombé love. T'es tombé une love. Okay. Et ouais. Ouais. Et donc, du coup, j'ai décidé de partir en école de théâtre après ça. Et donc, du coup, ça m'a donné un élan. C'est un cadeau énorme, ça fait au moins 3 mètres de haut, un élan. Avec les cornes et tout. Tu le mettais où? C'est la petite vanne. Ouais. Me kiffe bien, quoi. Et vous dans le chat, vous étiez L, ES ou S? Moi, j'étais chez S parce que nous, les S, on est les scientifiques. Ok, vous, Carlito, on va continuer l'interview, ouais. Si ça vous dérange pas. Et du coup, ouais, du coup, toi, ça a toujours été un peu un ça goal, du coup. Ça a toujours été mon rêve, ah ouais. Tu vois. Et en arrivant dans cette école de théâtre-là, j'ai grandi, j'ai appris plein de trucs. J'ai appris l'humilité et la beauté du métier d'acteur, de comédien. Et donc, du coup, je reprends YouTube. Ça marche pour moi, Dieu est grand. Je sors des sketchs en m'aidant de ce que j'ai fait au théâtre, tu vois. Prenant. Et du coup, tu joues plus et tout, quoi. En apprenant. Exactement, je fais les sketchs, je joue des personnages. Et il se trouve qu'il y a un directeur de casting qui tombe sur un sketch qui s'appelait Young Voyou. Oui. Vous vous souvenez? Oui. Excellent, les gars. Et il me repère, il me dit, tiens, tu serais très parfait dans ce rôle-là. Je passe le casting, ça se passe bien. C'est incroyable. Il a trouvé via une vidéo YouTube. Ouais. Via Young Voyou. Ouais. Moi, j'ai cru que c'était en mode sur Insta. Moi, je crois que tu étais parti au charbon en mode t'avais envoyé des trucs et tout. Bah, je suis parti au charbon quand même, dans le sens où, tu vois, j'ai fait de l'école. J'ai cru que tu étais envoyé en mode des lettres à des studios et tout, en mode ça, tu cherchais un rôle. Je l'ai fait quand même. Hein. Je l'ai fait, même. Ah, c'est lourd. Et du coup, c'est quoi ton rôle dans le film, en gros? Alors, en gros, le film, c'est l'histoire. C'est génial comme film, vraiment. Sincèrement, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, pour le coup. Ça s'est tourné il y a plus d'un an. Mais je l'ai vu il n'y a pas longtemps. J'étais sincèrement choqué et objectivement de la qualité de ce film-là. C'est touchant, c'est drôle, etc. L'histoire de ce film, c'est un petit gars qui veut faire médecine. Et au final, il n'a pas. Il n'a pas médecine et il est en sage-femme. Ouais. Sauf que c'est un peu la honte. Il est dans un environnement que d'hommes, tu vois. Mm.
Et donc, il a un peu la honte de le dire à sa famille, à ses amis, parce que voilà, la peur de l'échec, l'erreur, tout ça. Et moi, je suis le seul qui le sait, parce que je suis son petit frère. Et donc, Moi, je vais le tailler par rapport à ça, gentiment, parce que ça reste très touchant comme film. Mais voilà, c'est ça le symbole. Ok, bah, ça sort la semaine prochaine en salle, et On espère vraiment que ça va marcher. En vrai, j'espère que ça ne sera pas le premier, tu pas le dernier. T'as fait des interviews en mode pour le film ou pas encore? Ouais, on a fait. C'est pas bizarre? Genre, le film, tu as tourné il y a un an et tu fais des interviews maintenant. C'est pas bizarre comme exercice, ça? Si, je trouve ça chelou complètement. C'est ça que je me dis. Il y a plus dur comme exercice, la guerre. Mais bon, ça vous touche pas. C'est pas grave. Restez dans votre petit confort occidental. Moi, je passe tout de suite à la prochaine séquence que vous avez tous réclamée. C'est le retour du Flop Q Show. C'est parti. Wouh! Et oui, c'est le retour du Flop Q Show. On l'avait enlevé la dernière. Les gens ont fait non. Et il m'a dit, regarde pas, laisse-moi faire, c'est mon truc. Reviens, non, reviens. Du coup, les gars, on a fait une refonte du Flop Q Show. On a tout changé. Tenez-vous, c'est même le Flop Q Show 2.0. Carrément, même moi, je sais pas ce que tu vas faire. Et j'ai hâte de voir. Théodore, on va te poser 4 questions. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Comment ça va? Et ça va, et toi? Ouais. C'est quoi ton plus gros flop? Frère, c'est les mêmes questions, mais t'as les mêmes trucs. Attends. C'est les mêmes questions. Stand-up de merde 3. Wesh. Tu dis ça alors qu'ils viennent de faire une pause pour Burnout, tu les... Ah mais moi j'adore la vidéo et j'adore ce concept-là, mais bon, ça n'a pas marché sur Internet, quoi. Ouais, c'est ça. Question. Un truc que tu voudrais changer dans ta carrière. T'as pas changé le flop Q Show? Attends. Frère, j'attends quoi? C'est pareil. Hein. Non, rien qu'à changer. Ça a changé. Un truc que j'aimerais changer dans ma carrière. Ouais. Là. Maintenant. Qu'est-ce que t'aimerais changer maintenant? Tu veux tous? La régie. Ok. Tu veux changer ce moment-là. Il faut amener lui un strepsil en régie. C'est ça que tu disais. Un verre d'eau, ouais. Ah ouais, amener lui un strepsil ou un truc comme ça. Attends. Là, du coup. Ok. La touche 2.0. C'est quoi la pire OP qu'on t'ait proposée? Ah, t'as changé un peu. Ah ouais, ok. Pas mal ça. Change. Est-ce qu'il va répondre ou pas? On sait pas. Il va dire ou il va pas dire? Mais ou pas? Je vais dire ou que les petits? T'es un bon. Après, faut répondre. Hein? Faut répondre là. Vas-y, la pire OP qu'on m'a proposée, je sais pas. C'est la fin du Flop Q Show et du Live Z. Attends, quoi? T'as changé une question? Non, les autres, je les ai posées d'une manière différente. T'as vraiment posé pareil en bégayant tout pareil avec Il fallait dire ça que t'as dit en bégayant tout pareil. Donc tu vas te calmer direct. Et en plus, t'as bégayé, il n'y a aucun souci avec ceux qui bégayent, ok? Ouais. T'as un problème avec les bègues? J'ai un problème perso, ouais, avec eux. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu vas pas dire. L'interview à thème, on l'a fait ou on l'a fait pas? Bah oui, on l'a fait. Ah, thème? Thème? Atem? Non, Atem Ben Arfa? Non, t'inquiète. Atem pas. T'inquiète. L'interview à Thème. C'est pas ton émission. C'est vraiment, parce que tu es l'invité, quoi. Reste. L'interview à Thème, alors là, sympa celle-là. C'est ce youtubeur qui. C'est la vidéo qui sort de vendredi. Je sais, gars. C'est tout ça. T'inquiète. C'est fait. C'est fait exprès, mon gars. L'interview à Thème s'appelle ce youtubeur qui en hommage à ta vidéo qui va sortir très très bientôt. C'est pas un hommage, ça n'est pas sorti. C'est un clin d'œil. On s'en bat les couilles. On te pose une question. En vrai, on a des invités. Comme c'est des gens du milieu et tout. En vrai, c'est un peu un caméo, mais de 2 heures. En vrai, qui fait là, Théodore, en venant? Ouais. Ok. Enfin, c'est comme Léna quand elle est venue, tu vois, c'était un peu un caméo de 2 heures. Ça marche. On te pose une question avec un youtubeur et tu dois y répondre. Ça marche. Ce youtubeur qui t'a inspiré. Mister V, ce youtubeur qui a sorti une vidéo où tu t'es dit putain, il est trop fort ce mec. Inox Tag. Ce youtubeur qui a plein d'abonnés. Quelle vidéo? Souvent, hein. Ce youtubeur qui a plein d'abonnés, mais tu comprends pas pourquoi. Ah. Ouh. Dur ça. Ah, il a 5 signaux en tête. T'es pas obligé de répondre, mais bon. Ah. Si tu fais ça, on passe à la suivante. Il va le faire. Je vais le faire. Oh là là. Ah. Oh. J'adorerais avoir un nom, mais j'en ai pas. Ok, ce youtubeur qui pue. Wow. Il a des noms en tête. Il a clairement des noms en tête. Moi, j'en ai un en tête déjà. C'est quoi, toi? On va voir si t'as le même. Vas-y. J'en ai un qui pue de la gueule. Vas-y, on fait 3-2. Il y en a un qui pue de la gueule. Ok. On fait, hein.
3, 2, 1. Je savais qu'il allait pas faire. Tu pensais à qui? Bon, en vrai, mets à l'aise l'invité, dis. Mets à l'aise moi. Inox, il pue de la gueule, les gars. Ah ouais? Je vous le dis là maintenant, Inox, il pue de la gueule. J'étais un bâtard. T'es un bâtard, frère. Non, je vous le dis. Je vous le dis, Inox. Mais non, mais il parle vrai, toi, tu dis plus de la gueule. T'es sérieux, quoi? Juste, il va chercher un peu de fraîcheur. C'est pour ça, je pense. Il va manger de la neige. Il y en a pas, ce youtubeur qui pourrait, genre, plier le game, genre, mais qui a trop la flemme, qui se repose trop sur ses lauriers. T'es en train de te montrer du doigt, là? Tu fais quoi alors? Je comprends même pas, ouais. Pourquoi tu fais des signes comme ça? Je sais pas, ça veut dire quoi? À quel moment tu t'es dit, toi, que tu... Ça veut dire quoi? Ça me gratte ma chemise, c'est tout, vous êtes fous, quoi. Ok. Je suis trop nul à ton jeu, alors que c'est génial, sincèrement. C'est pas mal. Je te jure, c'est trop bien. Ouais. Ah putain, le youtubeur, répète-moi la question, peut-être que ça va titrer. Qui pour toi pourrait plier le jeu, qui pourrait être trop fort et tout, mais qui a juste trop la flemme. Moi je pense à un, mais... Dis-le. Si on va, mais c'est pas mon interview. Mais j'arrive pas là. Moi c'est Billy. Moi je pense à Billy. Ok, ça marche. Complètement d'accord. Voilà. Et il est streamer, Billy. Ouais, et puis... puis ouais, il fait YouTube. Bon, Baron, attends, pause. Le train de hype, calmez-vous, s'il vous plaît. Ah non, allez-y. Les gars, la dernière fois, tu sais que la dernière fois, t'as dit le train... Je sais plus qui c'était Léna, je crois, qu'avait dit abonnez-vous. Et tu sais, j'avais pas capté 1000 abonnements. Mais j'ai même pas vu, je regardais pas. Mais frérot, dis-toi que déjà, à l'intro du live, t'étais en train de manger ta pizza comme un gros con, là, et t'as mis tout le monde en retard, là. Il y avait un train de hype niveau 10, je suis en mode, mais ouais. Non, c'est vrai ou pas? T'es deux hommes. C'est énorme, les gars, bien joué. Non, mais dis pas 11, c'est lui qui prend tout. Bah, merci beaucoup, les gars. Et voilà, et ça recommence, C'est le youtubeur que tu ne pourrais jamais être. Je pourrais jamais être... Je pensais à Norman Messi. Messi? De quoi? Messi? Je suis fan de Messi. Ok. Ah. Ok. Trop fort, le GOAT. Le GOAT. Qui est le GOAT? Messi. Messi, d'accord, ok. T'es pour Ronaldo, toi? Non, je pensais qu'il parlait de youtubeur. Non, j'aime pas ce débat-là de GOAT, en fait. Oui, en vrai, j'aime pas. Ouais, mais t'es... Merci pas Messi ou Ronaldo? J'adore Cristiano Ronaldo. Voilà, dingue. Je suis fan de Cristiano Ronaldo. Bref. À toi. Si. Grazie a tutti gli aficionados. C'est bien. Attends, c'était quoi déjà? Non, mais vas-y, dis, je te fais chier. Ok, c'est pas grave, c'est le youtubeur qui aurait jamais dû arrêter. Tu vas dire Diablo X9. Non. Ok, bon, bah voilà. Je suis trop nul. Yes, les frères, moi, c'est la pression. La tête de... T'as pas lâché un blaze. Mais dire comment j'ai. Tu vois, je sens que ça okay, fait d'être toi. Allez, la prochaine, je vais t'aider. La prochaine. Vas-y. Ce youtubeur, aussi streamer, mais comédien, qui anime une émission de fou, trop drôle et tout sur Twitch, et que tu voudrais trop inviter dans ta prochaine vidéo, parce qu'il est trop drôle, vous allez vivre des bêtes d'histoires, de bêtes de trucs ensemble cette année, et vous avez trop envie de faire des trucs ensemble. C'est compliqué. Gotha, ok, Gotha, bien joué sur celle-là. Heureusement que tu m'as aiguillé, merci. Putain, alors j'arrive pas à répondre, là tu m'as grave aidé. Ah ouais. Gotaga. Gotaga. Je savais pas qu'il était un peu comédien. Bah attends, il fait des trucs géniaux. Il a fait, il a fait plein de courts-métrages et tout, Gotaga. Hein. C'est vrai? Bah ouais. Bah ouais. Ah tu pensais à toi? Tu pensais à qui? Je pensais à rien, c'est pas mon interview, les gars. C'est pas ton interview, frère. Pas mon interview, t'es on ouf, s'en gros. Fout. Train live niveau 10, ça c'est fait. Merci beaucoup, les gars. En tout cas, ça fait grave plaisir. Arrêtez, s'il vous plaît, je vous jure. Non, continuez, c'est les gars, il y a plein de streamers qui ont 10 viewers et tout, ils galèrent, gardez pour eux. Mais moi je galère trop, je fais 3 lives par mois, je galère. Frérot, il y a 2,43k sub. Merci beaucoup, les gars. Non, c'est fort en vrai. On passe tout de suite à l'interview image. Interview image. Il n'y a pas de clap, c'est en live quoi. Mais en fait, ce qui t'explique, on ne peut pas aborder tout non plus avec toi. Donc il y a des thèmes qu'on aborde ici. Voilà. En gros, derrière chaque image, il va se cacher une question. Le chat en choisit deux. Tu en choisis deux, les autres. C'est chaud. Hein? C'est chaud. Donc en gros, ouais, t'en choisis deux, quoi. C'est quoi, là, okay. tu faisais une hôtesse de l'air ou... Non, rien. Je vais choisir... C'est quoi le point d'interrogation? C'est la question d'un viewer. Vas-y. Tu vas prendre ça? C'est le viewer qu'on a pris, il pose une question pour ça. Ok, le viewer qui pose une question, c'est parti, let's go. C'est parti. Ouh, je suis la momie. Et non, c'est moi. Salut Théodore, je suis un grand fan de ton contenu. J'ai vu que t'as participé aux EP Explorer, t'étais host et tout, c'était cool. Du coup, je pense que tu sais conduire des voitures et tout, j'ai une question. Est-ce que tu saurais conduire une Prout mobile? Voilà, merci de ta réponse. Top, le rappeur et tout là qui... Top. Pose une autre question.
Vas-y. Mais attends, la proute mobile, c'est intéressant. Ça, t'en as déjà conduit une. Mais gros, il y a que toi qui parle de ça. Il y a un budget. Il y a que toi qui parle de la proute mobile. Faut le permis pour une proute mobile ou c'est comment? Enfin, c'est... non, mais en vrai, mais c'est qu'il y a plein de gens qui connaissent même pas la proute mobile. Ils se disent mais c'est quoi la proute mobile? La proute mobile, c'est une voiture. En vrai, c'est une dinguerie. C'est un petit bijou de technologie. Mais c'est une voiture qui est ronde et verte et c'est impressionnant de technologie quoi. Et enfin non, le viewer il s'est dit peut-être t'as été au GP et tout, peut-être tu t'y connais en bagnole quoi. Comment tu connais aussi bien le viewer? Non, parce que non, mais la question, est moi masqué, je connais en plus. Mais il est masqué, mais il. Non, mais c'était une momie, wesh. Vous êtes des ouf, quoi. Juste, moi je connais la proute mobile aussi, c'est pour ça, c'est connu. Ça, ah, ok. Bon, bah, pose une question, peut-être. Je vais choisir Bad Joyka, là. Joyka, ok, ah, très bien. Pourquoi tu le détestes comme ça? Toi aussi, il t'a piqué ta meuf? Le bâtard. Putain, quand je pense, je l'ai hébergé chez moi. Il est venu à l'émission. Il a osé me faire ça, moi, et maintenant, toi. C'est un truc de fou. En vrai, ça me rend dingue. Super personnel. Ouais, c'est. Ça me rend dingue, ce mec. Ça me rend dingue. Wesh. Frère, on est en live, là. En vrai, t'as quoi contre Joyka? C'est quoi ce. Joyka, il a vraiment quitté ta meuf. C'est une dinguerie de faire ça. Non, mais c'est pas possible. Non, bon. Soutien à Maxime, les gars. Donnez pas de sub. Mais, non, c'est un bon, c'est un mur, bon. Mur de cœur pour Maxime. Moi, j'adore Joyka. Arrête de mytho. Les gens ont choisi. Les dans le chat, ils ont dit Mister V, la question. Allez. T'as souvent eu la comparaison avec Mister V, qui fait aussi des vidéos drôles, qui fait des vidéos sur des raps, des sons sérieusement. Vous avez jamais eu envie de faire un truc ensemble? Et puis les Métis. Ça fait. J'ai rien dit de bien. Ouais. Non, oui, forcément, là, et logique. Enfant, et puis même maintenant, en vrai, enfin, genre, c'est. Il nous a. Beaucoup accompagné dans notre génération. C'est vrai. C'était un modèle. Pardon ? Non. T'as nounou ? Rien à voir. Non, c'était quelqu'un d'influent, tu vois. Quelqu'un de trop drôle et tout. Et ouais, c'était toujours hyper inspirant de voir quelqu'un qui crée de la musique, qui fait des trucs drôles, qui sort un peu les doigts du cul, qui se les sent, qui fait putain, c'est quoi ? C'est quoi cette odeur? C'est génial. C'est vraiment de la merde. Tu vas voir ça. Ouais. Ok, d'accord. Et voilà. Et puis aussi, qui est métis, en vrai, faut se le dire. Et du coup, tu t'es fait un truc... tu vous as jamais dit une petite connexion, un petit truc? Ce serait avec plaisir. Les gens ont choisi une dernière question. C'est McFly et Carlito. Ouais. Derrière cette question, c'est parce que ça a fait l'actu un petit peu. C'est pas forcément lié à toi. Bah t'as fait beaucoup de vidéos avec eux et tout. Ils ont annoncé récemment qu'ils allaient prendre une pause. Ouais. Voilà, trop de tout pour plein de raisons différentes, personnelles, professionnelles, on sait pas. En tout cas, ils ont décidé qu'ils allaient arrêter un petit peu. Est-ce que tu comprends cette décision? Il y a beaucoup un peu ce débat de la course à la vidéo produite et tout en ce moment. Exactement. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, McFly et Carlito, ils ont tellement donné. Je trouve que c'est. Les gens oublient, j'ai l'impression. Oui, oui, que très vite, ça fait 5-6 ans que les frères ils sortent une vidéo tous les dimanches. Avec de la que ça fait 4 minimum millions de vues. Donc ça veut dire que les gens regardent et que les gens adorent. Donc, c'est un vrai rendez-vous qu'ils nous donnent. C'est gratuit. Bref. Ça m'énerve un peu quand même. J'ai l'impression que c'est moi qui peux avoir avec eux. Je dis c'est gratuit, on donne des versements aux gens, ils nous font chier. Oui, mais je vois le truc ingrat. Enfin, non, même... c'est, je trouve ça très. Très dur, les gens les trouvent les gens sont très durs avec eux parce que c'est des personnes géniales qui m'ont évidemment inspiré énormément. Et ouais, je comprends de fou cette volonté de s'éloigner un petit peu parce que ça devient beaucoup anxiogène. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, ça fait beau. Franchement, c'est ça. Ouais. Les amis, là, c'est une grande première. On a imaginé un tout nouveau jeu. Ouais. Mais non. Et j'ai hâte de le tester celui-là. Je sais pas comment ça va rendre. Dis-moi. Mais j'ai grave envie de le voir. Alors le truc c'est qu'il faut que t'ailles en régie pour qu'on puisse l'installer. Mais je sais pas si depuis la régie il va m'entendre les gars si je lui explique les règles en régie. Vous pensez qu'il m'entend? Je vais t'entendre. Ok. Pas en régie, nous on va là-bas. Pourquoi il doit aller en régie? Je vais vous expliquer le jeu. Mais en fait tu vas voir toi aussi après tu vas aller en régie. Je vous explique un petit peu. Je crois que je vais devoir aller là, on est d'accord? Oui, je dois aller là. Je dois venir aussi? On envoie tout de suite le jingle. Attendez! On envoie le jingle jeu Koulos, c'est tout de suite, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est tout de suite. Salut, bonjour. Bonjour. Les amis, le jeu, il est très simple. C'est un petit peu le jeu, vous voyez, le jeu des où tu dois deviner un peu une situation, un objet, ouais. Etc., que tu colles ici. Tu vois, tu colles un stick ici. C'est le devine-tête, ça? Le devine-tête. C'est pareil, mais c'est une version un petit peu pimpée. Un petit peu amélioré. Vous voyez quand vous êtes par exemple, je sais pas, au parc Astérix et que t'as des petits panneaux. Des petites maquettes avec un. Avec le rond là. Avec un costume et tu mets ta tête. Exactement. Là, ça veut dire quoi? Théodore, on va lui mettre un carton.
Il y aura une image, il va pas savoir c'est quoi. Il va mettre sa tronche et il va devoir deviner dans quoi il est. J'espère que je me suis fait comprendre. Si vous n'avez pas compris, en vrai, je pense que ça va être compliqué. En vrai, ils vont capter dès la première image. Vous allez capter dès le premier. Donc, c'est pas un souci. Il y a un petit peu d'installation. En fait, là, ce qui va se passer, c'est que je crois qu'on a deux situations chacun. Donc, ça veut dire que... La six. Ouais. C'est rare qu'il y ait des trucs que je sache pas. Ouais, on a la surprise. Là. Mais là, j'ai vraiment, pour le coup, premier degré, la surprise de deux trucs. Où moi, je suis pas au courant. Ouais, toi, tu vas avoir deux trucs. Attends, tu sais les miens ou pas? Je crois que je connais... En fait, je crois qu'on me l'a dit, mais j'ai oublié. Ok. Mais je crois que je connais les tiens et ceux de Théodore. Toi, tu connais le mien? J'ai un des tiens, oui. Et alors? Non, tranquille, frérot. En fait, moi, j'ai peur parce que du coup, vu que je suis pas au courant, je me dis, c'est ban, est-ce que je vais me faire ban? Est-ce que... Tu sais, c'est la preuve qui prévoit. Attends, c'est pas ban, non. C'est pas ban, non. Bah non, tu vas pas être ban. Ok, mais pourquoi tu rigoles? Non, je pensais à une blague. Ok. Bah vas-y, fais-nous la blague. Attends, ils sont en train de préparer. Là, Théodore, je sais pas si tu m'entends. Tu m'entends, Théo? Ok, tu bouges pas, mon gars. On va venir installer là tout de suite le carton. Quand le carton est installé, c'est l'heure. Tu mets ta tête dedans. Précision, Théodore, très important. Tu peux répondre que on peut répondre que par oui ou par non. Par les questions. Si au bout d'un moment, on estime que t'as pas trouvé à temps, t'as perdu. Voilà. Et celui qui a le plus de points, il gagne un truc énorme. Il y a un vrai cash prize. Ouais, ouais, ouais. Attends, on gagne. Attends, train de live, niveau combien? On gagne la cagnotte du train de live niveau 16. Non, non, non. Pourquoi non? Non, non, non. Non, non, non. Ok, viens, on fait. Ok, non, Max, j'avais un jeu. Pierre Feuille Ciseaux, le gagnant, il remporte la cagnotte du train de la hype. Pierre Feuille Ciseaux. J'ai gagné. Bah, j'ai rien gagné du coup, vu que c'était déjà à moi. Non, mais j'ai fait Pierre, t'as fait Ciseaux. Ok, ok, c'est bientôt prêt. T'es prêt ? Ouais. Oh, ouais. Ah, ouais, je viens de voir. Ok. Okay. Oh, ah, putain, c'est bien ça. Dingue. Ah, ouais, c'est pas mal. Ah, ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Ah, je viens de voir, ok. Ok, Léopold, ça va aller très vite. Tu auras très peu de temps pour répondre. Attends, mais tu l'as appelé Léopold? J'ai appelé Léopold. La tête d'homme. Mais il s'appelle comment, le gars? Tu l'appelles comment, le gars? Je te jure, toute l'émission, je l'ai regardé, je lui dis putain, c'est quoi son nom? C'était Léo. Léna? Léna? Non, c'est pas Léna. Léna? Non, c'est pas ça. Didier? Kamel? Ok, premier jeu. Faut que tu nous dises ton nom. C'est quoi ton nom? Je suis Théodore. Théodore! Ok, Théo. Vas-y. C'est parti, on va ouvrir. On va ouvrir, on va voir tout de suite la première scène. Je suis là. Hop, okay, bon. Ça va, mon gars? Ça va et toi? Ça va. T'as l'air bien, là? Ah oui, parce que je suis dans un endroit calme. T'es dans un endroit bien? Ouais. T'es à ta place, quoi. T'es, ouais. Je suis à ma place? Ouais. Je suis... Attends, mais tu veux qu'on vienne? Attends, on va venir. Je suis au top. Ouais, mec, t'es au max du max. Là, t'as le vent en poupe en ce moment. J'ai le vent en poupe? Ouais. Ouais. Est-ce que je suis dans un endroit où il fait chaud? Pas spécialement. Ouais, pas forcément. Hein. Est-ce que je suis dans un endroit où il fait froid? Non. Bon, normal. Pas quoi. Forcément non plus, quoi. Est-ce que je suis dans un procès qui implique des mineurs? Non. Non. Non, non, non. Je vois à qui tu penses. Est-ce que je suis dans un endroit citadin? Déjà, explique-moi pourquoi tu veux absolument l'endroit alors qu'on t'a même pas, tu sais même pas c'est mais quoi. Laisse-le. Il cherche. Il fallait que je devine l'endroit. Faut que tu devines la situation. Ah, la situation. Et voilà. On parle là, pas de Léna. À la place de quelque chose. Hey, on parle pas de Léna. Léna. Ouais. Léna quoi? Bah Léna situation quoi. Ah, je pense que tu. Ok. Ouais. Est-ce que je suis dans un endroit, dans une fête? Non. Est-ce que je suis avec des gens? Oui. Oui. T'es avec quelqu'un là? Je suis avec une seule personne? Oui. Qui est mon ami? Oui. Dans la vraie vie? Oui. Ça m'as-tu? Non. Ah, mais je sais pas, ils sont pas deux? Ouais, un peu. Est-ce ouais, que c'est un créateur de contenu? Oui. Holot? Non. Il a été à Webedia? Oui. Oui. Michou? Non. Inoxtag? Oui. Je suis avec Inoxtag? Oui. On est sur l'Everest? Non. Non. Je suis avec Inoxtag. On est dans son studio? Il y a Inoxtag. Mais tu n'es pas Inoxtag. Ah, je ne suis pas lui. Oui. Est-ce que je suis... Qu'est-ce que tu peux être? Qu'est-ce qu'il peut bien être, celui-là? Mais... Je suis son chien. Oui. Oh, oui, bravo. T'es ace. Bravo, mon grand, t'as trouvé. Mais t'es magnifique comme ça. Putain, mais là... Tire la langue. Parce qu'il y a un peu... Je t'explique, en fait, là, il y a un bout de langue. Ah ouais. Donc si tu fais bien les trucs, il y a un moyen qui est le bout de langue. Ouais, non, c'est très très bien. Putain, c'est... Ouf. Wesh. Ouf. Wesh. Ace.
Non mais c'est sûr, c'est lui. Oh. Allez Grim, c'est à toi. En régie mon gars. Tu veux que je te montre comment ça rendait? Non mec, ça te va trop bien, je te jure. Regarde, je te montre. Non mais c'est bien. C'est trop drôle. C'est bien, c'est bien. C'est super, super idée. On passe de l'autre côté, on passe de suite au suivant. Là ça va aller plus vite puisqu'il n'y a plus le bureau à enlever. On considère que t'as un point. Ah bah oui, j'ai trouvé clairement. Non, t'as trouvé. Il y avait pas l'endroit, je mais suis t'as trouvé. Ace. Oui, non, c'est vrai, t'as trouvé. Je suis fier de moi, la famille. Et vous êtes fier de moi? Non. Arrête de dire des mots. Tu en plus t'es même pas en plus. Pff, c'est abusé quand ils disent ça. C'est abusé le chat. Force le chat. Force à vous le chat. Bon, ok, là ça passe à Grim. Après ce sera à moi. Il y aura encore un tour. Vas-y. Ok. Ok. Je te dis, hein, celui qui a le moins de points, malheureusement, ouais. Et c'est pas de bon cœur que je te dis ça, il se prend une balle dans la tête, mec. Mec, il y a la mort au bout du fil, là. Mec, il y a la mort. Mais c'est vraiment un enjeu de ouf, en vrai. C'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu. Dites-moi en régie si vous êtes prêts et nous on y va. Hein. Ouais, c'est bon. Ils vont être prêts là. Ils ont dit bah non, ta gueule. J'ai pas d'oreillette. Non, mais moi je l'ai et ils ont dit ça. Ah. Et moi ils ont dit ça. Ok, c'est bon, on peut y aller. Attention, t'es prêt, on découvre. Allez. Mais j'aime bien parce que même moi je sais pas. C'est fun. Ouais, j'aime bien. En vrai, c'est fun. Non, les gars, on va avoir des problèmes. Non, on va avoir des problèmes. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est de quoi dangereux. Il se passe quoi? Tout le temps, il... Ouais, c'est... Il flop. Non. Si, pourquoi pas. Ouais, normal. Je suis en ville. Oui, enfin, sans doute, mais... Ouais. Je suis dans un immeuble. Est-ce que je suis dans une petite salle? Oui, dans une salle. T'es à l'intérieur. Oui. Ouais. Je suis dans un salon. C'est pas vraiment un salon. Pas un salon, pas forcément. Dans une chambre. Ah, non plus. Pas vraiment. Non. Une cuisine. Non. Salle de bain. Non. Une toilette. Non. T'es trop resté bloqué sur un appart. T'es trop resté bloqué sur une pièce de. Je suis sur un balcon. Non. Il est con. Je veux pas trouver d'autres questions que le lieu. Je suis tout seul. Non. Non. Je suis avec des créateurs de contenu. Ouais. Oui. Je suis avec le loot. Non. Non. La Redbox. Non. Non. Putain. C'est un autre truc. Je suis avec les croutons. Non plus. Putain. Pas un collectif vraiment. Tu La Whitey Femme. Non. Waouh, t'es allé chercher loin. Non, c'est un autre truc qui n'existe pas, hein, qui n'existe plus. Ouais, je suis pas avec le clan quand même. Non, je connais pas. Je sais pas de quoi tu parles. Moi non plus. Je suis avec. Attends, c'est des créateurs de contenu. C'est bien le début, mais ouais. Après il a dit. C'est des créateurs de contenu ou pas? Ouais, c'est des créateurs de contenu. Oui, oui, oui. Je suis. C'est des. Comment on dit? Télé-réalité? Non. Attends, c'est des acteurs. C'est quoi le clan, frère? C'est des acteurs. Non. C'est. Attends, des créateurs de contenu. Français? Ouais. Ouais? Il est long là. Actuel? T'as encore 5 questions et après t'as perdu. Ok. Ouais. Attends, t'as dit collectif. Wesh, mais y a qui en collectif? J'ai tout dit là. On t'a dit que c'était pas un collectif depuis 1000 ans. Ouais. Mais t'as dit que c'était un groupe de youtubeurs. Non, y a des créateurs de contenu. Y a des créateurs de contenu qui se sont regroupés. Je suis avec McFly et Carlito. Non. Je suis avec un youtubeur qu'on a déjà vu en vrai. T'es pas avec, t'es quelqu'un. Je suis un youtubeur. T'es quelqu'un. Je suis Théodore. Non. Plus que deux. Wesh. Et donne un indice. Ça flop quand même. Ça flop. Ça flop. Je suis moi ? Non, pas trop non plus, mais. Ça flop complet. Des gens ont pas aimé, mais. Ça flop complet. Peut-être que certains ont aimé. Je suis dans Stand-up de Mère 3. Non. Ça flop de fou. Je suis dans Dernier Astérix. Je que ça pas flop, ça flop. Non, ça va, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé le projet. Je suis dans la vidéo. Bon, c'est bon, t'étais Kevin Razi sur le live. C'est bon, t'as pas trouvé. J'ai perdu mon job. En plus, je trouve même pas ta séquence de merde là. À peine de s'énerver, Max. Mais c'était. Attends, mais c'est trop dur, frère. Mais ouais, mais comment tu voulais que je trouve? Je pars en régie, c'est à mon tour. C'est trop dur. Et te montrer comment on fait pour répondre bien à ce jeu. C'est un malade ce mec, il pose des questions super dures, gros. Non, comment... C'est vrai que c'était trop dur. Quand il voulait, je trouve ça, ouais, c'est un ouf. C'était trop dur, mais en plus, c'était drôle. Ouais, bon, c'était pas très drôle pour moi. Moi, j'étais là, j'étais assis tout, j'attendais quoi. Bah, j'ai vécu aussi, j'étais un chien. Non, mais toi, c'était drôle un peu, au moins t'étais ace et tout. Là, j'ai même pas trouvé moi. Et t'as trouvé ça comment? Le live, en tant que tel. Le live ou le stream là? Non, le live. Bah c'était un... Non, on est chez Webedia, ils vont nous goûmer, non, si on en parle mal. Je sais pas, bah c'était un échec, mais bon, c'est la vie, quoi. Quand on tombe des escaliers, on se relève plus fort pour les monter plus vite, quoi. C'est vrai. Y'a ça. Et t'as quoi d'autre?
Toi ça va? Et toi? Ouais. T'as prévu quoi bientôt? De quoi? T'as prévu quoi bientôt? Ce youtubeur qui le en vendredi. Ah c'est stylé. Moi... C'est ce rappeur qui mais avec des youtubeurs. Ah c'est stylé. Il y aurait à qui dedans? Quoi? Norman. Non, tu fais. Il y a vraiment. J'espère qu'il y en a d'autres quand même. Ouais. Moi. C'est bon, on peut y aller? Non, attendez, dans 10 secondes, je m'installe là. Je vais pas tout dire qu'il y a, après les gens ils vont pas regarder. Ouais, c'est vrai. Faut garder la surprise, bah restez branchés. Moi aussi je suis là et tout. De quoi? Moi je prépare un EP et tout là. Ah ouais? Non. Fini, je suis installé. Allez, on regarde. Qu'est-ce qui. Oh putain de merde. Oh là là là. Non mais. Ah là 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 là. Aïe. Non mais là c'est. Aïe. T'es chaud hein. Ah t'es chaud. Ah prépare-toi. T'es chaud. Prépare le ban Twitch là. T'es chaud. Non arrête. Non c'est fou. C'est vrai? Wesh. Wesh non mon ad. Tu m'as vraiment tout entendu le prout. C'est quoi ce bruit là frère? C'est quoi? J'ai entendu un bruit de ouf. Pose des questions. J'ai entendu un bruit ça faisait. C'est quoi à ton avis? C'est un truc de fou de faire ça. Non mais non. Ok, je suis un humain? Ouais. Je suis un homme? Ouais. Connu? Ouais. Je fais des vidéos sur internet? Non. Je suis un comédien? Non. Je suis un humoriste? Non. Je suis un chanteur? Oui. Je suis un chanteur français? Oui. Je suis un chanteur français dans une situation loufoque? Ouais. Oui. T'as vu comme je suis fort au jeu? Exactement. T'as vu comme c'est agréable quand quelqu'un est fort au jeu? Comme c'est agréable. Mais c'est tu vois, au lieu de dire je suis à Paris? Non, ok, je suis à Nanterre. Je suis à Auxerre. Bah attends, je suis où alors? Il y a quoi de drôle là? Il y a quoi de drôle là? Bon, bref, je continue. Je suis jeune. J'ai 30 ans. C'est moins que 30 ans. J'ai Mais vraiment moins. J'ai 25 ans, genre. Enfin, j'ai vers là quoi. Et je suis encore connu maintenant. Ouais. Oui. Je rappe. Ouais. Oui. Je rappe et je suis dans les charts. Je suis dans les charts. Ouais. Je suis genre de la drill. Non. Du rap. Oui. Ok. Je suis Freeze Corleone. Non. Il fait vraiment de la drill. Du coup, c'est pas Freeze Corleone. Je suis. Mais c'est vous, t'es trop nul. Il a dit il fait de la drill. On a dit non, il a dit Freeze. Non. Ouais. Pose la question. Il fait pas de la drill? Non, il a dû en faire. Il a fait un projet récemment? Ouais. Récemment, Hamza? Non. Attends, récemment, c'est quelle fenêtre pour toi? Il y a un mois. Non. Il y a deux mois, trois mois. Oui. Kekra? Non. Niro? Non. Il a fait un projet récemment qui a bien marché. Il y a un hit qui est sorti. C'est un rappeur marseillais? Oui. C'est un rappeur marseillais? Oui. C'est Jul? Non. C'est Naps? Non. C'est un rappeur marseillais qui s'appelle SCH? Ouais. Oui. Autoban? Oui. Je suis SCH? Ouais. Oui. Et tu es dans une situation loufoque, tu l'as dit? Je fais plein d'essence. Je fais les 7 euros d'essence. Non. Je suis SCH? Ça aurait pu, mais non. Non. Qui fait quoi? Qui fait un truc en référence à ses chansons? Non. Il fait non? Non. Il fait. C'est SCH qui fait le Colors? Ouh. Il fait non. Ouais, mais. Ah non, c'est SCH en slip dans le Colors. Oui! Oui! Mais on va avoir des problèmes, les gars. Ouais. Attends, vas-y, remets-toi deux secondes. Dedans pour voir. SCH, regarde, il se moque de toi. Mais non, mais c'est pas moi, je suis pas au courant. Théodore, en régie, c'est à ton tour, mon gars. Hop. Oh la vache, mais j'étais pas au courant. Mais par contre, t'es trop fort. Je me désolidarise de ça. Mais oui! Mais oui, t'as vu que je suis fort. Mais pourquoi? Parce que quand on s'investit un petit peu dans les jeux, dans les réponses, les questions. C'est ça veut dire quoi ça? Tu m'envoies une attaque là? Tu dis que je m'investis là? Les amis, j'en profite pour vous dire. Et ce n'est pas pour vous sur-hyper. Oh, attends, pardon, non, je suis désolé, je me suis assis, je suis à la même taille que toi, c'est un truc de fou. Mais attends. Mais c'est une chaise où t'es assis debout, ça change rien, même moi si je m'assois, j'ai la même taille. Oh, ça veut dire des anneaux! Gimli! Là, je suis assis. Là, je suis debout. C'est une chaise quasiment où tu es assis debout. Les amis, ce n'est pas pour vous mentir, c'est la vérité. À la fin de l'émission, il y a quelqu'un, quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est une grande première et je vous jure que c'est vrai. Ouais. C'est une folie. Vous n'êtes pas prêts. Et c'est dans pas très longtemps. C'est dans vraiment pas très longtemps. Mais bref, avant ça, on est avec le petit Bouchou, le petit Bibou, le petit cœur, Théodore, qui va faire une dernière situation. Il va faire quoi? Il n'y a que toi qui n'as pas trouvé pour l'instant. Moi, j'ai un point. Théo, il a un point. T'es fier de toi? Bah oui. Bah okay. Et toi, t'as zéro. C'est à nous? T'es prêt? Ouais. Non, mais gars, c'est quoi ça? Non, mais mec. Ça va? Ça va et toi? Ouah, je suis quelqu'un? Ouais, bah. T'es quelque chose. Ouais, non, mais ouais, t'es quelqu'un. T'es en place, quoi. Ouais. Je suis un petit être. Non, t'es pas si petit. C'est bien qui je pense, on est d'accord? Attends, mime-le avec ta bouche sans le dire.
Ben, je crois. Il a vraiment entendu, quoi? Non, j'ai pas entendu, je te jure. C'est lui, je crois. Ouais, je crois, hein. Ouais. Ouais, c'est ça, j'ai la confirmation. Ok. Je suis un grand artiste. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Je suis Pierre Palmade. Non, 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 un autre artiste. Non. T'es un autre artiste. Il y en a d'autres. Merde. T'es un artiste. Je suis arabe. Non. Non. Je suis noir. Non. Je suis blanc. Oui. Oui. Je suis français. Oui. Oui. Je suis chanteur. Non. Je suis rappeur. Non. Je fais de la musique. Oui. Je fais de la musique. Oui. Je suis musicien. Oui. Je fais du piano. Entre autres. Je fais de la guitare. Je fais des prods. Oui. Je fais des prods. Oui. Oui. Plein de prods. Oui. Mais je rappe pas. Non. Non. Je suis un très grand producteur français. Ah non, ah non. Ça non. Non, non, bah non, bah non. Non, mais il est fort, très fort. Petit producteur français? Non, il est non, fort. Non, il est très fort, mais ouais. Il fait pas que ça, donc. Il fait pas que ça. Ouais. Il fait aussi des vidéos sur YouTube. Oui. Oui. Il fait des vidéos sur YouTube et il fait des prods. Oui. Oui. Et dans ses vidéos YouTube, il y a de la musique? Par-ci, par-là, oui. Parfois, oui. Il y a des prods de lui dans ses vidéos. Oui, oui, parfois, oui. Je suis Chrono Music. Non. Non. Je suis Putain, j'ai oublié son nom, je suis... Wesh. Wesh. Non, 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 je peux pas faire ça, je l'adore en plus. Ah ouais. Je ah suis... Bon. Est-ce que je fais de la lo-fi? Lo-fi? Non. Non. Ah, je suis masqué? Non. Mais il fait des prods, il fait des YouTube. Je suis Joyka? Oui, oui. Alors attention, tu n'es pas Joyka. La situation, il y a Joyka. Mais... Oh, pardon, mon grand. Un bâtard, wesh. Je suis Joyka dans son studio. T'es plus précis que Joyka. Ouais. Pense plus précis que ça. Je suis la couille de Joyka. Ah, ça serait bien, mais t'es pas la couille. T'es autre je chose. Suis la couille de Joyka. T'es pas la couille, mais... Le clan de Joyka. Non. La bite de Joyka. Non. Pas loin. L'anus de Joyka. Oui. Oui. Mais attends, faut développer peut-être, non? Il veut pas oui. Le contexte. Comment... Ah, tu vois, bah, donne le contexte, donne la situation. Comment tu développes l'anus de Joyka? Mais il est dans une situation, il est dans un lieu, il est quelque part. Je suis l'anus de Joyka aux toilettes. Non. Non, non, c'est un vrai truc, c'est un vrai. C'est une vraie photo, je suis l'anus de Joyka à la montagne. Franchement, c'est presque. Attends, attends, mais attends, c'est ça, c'est dehors, il fait froid. Mais ça veut dire que Joyka, il a montré son anus à la montagne, frère. Oui, il a montré un peu partout. Mais oui, c'est ça, bravo. Ouais. T'as trouvé et t'as 2 points. Ah, c'est à la montagne, t'as ça 2 points. Mais c'est en Islande, je crois. Juste ouais, là. Exactement, c'est en Islande. Voilà. Alors, on est nul. Waouh. Alors là. Wesh, non mais. Tu crois que tu vas où là? Tu crois que tu vas où là? Tu redresses le siège. Tu redresses le siège maintenant. T'es fou quoi? Et relève la chaise maintenant. J'ai fait à faire des émissions. Relève la chaise maintenant. Maintenant, dis pardon Théodore. Mais ça va pas ou quoi? Il m'a donné. Dis pardon Théodore. Viens ici, dégage toi. Dégage. Tiens. Hey, what's up? J'ai pas été trop. J'ai été un peu violent peut-être. Non. Non, ça va, t'inquiète. Vas-y. Tu l'as pas mal pris? On dirait que tu l'as mal pris. On dirait que tu l'as mal pris. Tu dirais que tu l'as mal pris. Tu l'as mal pris ou pas? T'as eu mal? Non, ça va, ça va. T'as eu mal, on dirait. Non, t'inquiète, je pleure pas, c'est des joies, la joie. Tu pleures de joie? Ouais, je suis content. Va me chercher une canette là, à la régie. Vas-y, je te cherche après, je te cherche ça. Va chercher une canette là. J'ai pas le droit d'aller. Je vais chercher une canette. J'ai pas le droit d'aller. Vas-y, mon petit. Bien vu. Tiens. Merci. Vas-y, bois, ça fait peut-être un an qu'elle est là. Pourquoi tu donnes ça alors? Ah, tranquille, au calme. T'as 2 points, mon gars. Ouais. Comparé à certains qui ont 0. Grim, par exemple. Grim, par exemple. Toi, t'as trouvé tout à l'heure, c'était bien joué. Hein. SCH, très bien joué. C'était pas mal. Ouais. Mais parce que moi, j'ai compris le jeu direct. Lui, il est un peu gaze. Toi, t'es un peu gaze aussi. Je vais pas te mentir. Il reste Grim, il reste moi. Et après, on passe à la toute fin de l'émission. Ah ouais? Et c'est. Putain, c'est déjà la fin de l'émission. Non, pas tout de suite. Maintenant, on découvre Grim, t'es prêt? On y Vas-y. Va. Wesh. Ah, c'est pas mal quand même. C'est trop bien. Wesh, gros, je suis tellement bas, c'est une dinguerie, je suis en quoi. En plus, c'est vraiment bien. Ouais, enfin, c'est génial. Vraiment bien fait. C'est quoi, je suis C'est génial. Je suis un caca. Ok, c'est parti. Hein. Attends, je suis quoi? Je suis un humain? Ouais. Ouais. Ah, je suis un humain? Ouais. Je suis la tête d'un humain ou le corps entier? Bah là, t'as la tête là. Là, t'as juste la tête là. Attends, mais je suis la tête à l'envers. La tête, ouais. Je suis un créateur de contenu. Pourquoi t'es à l'envers? Non, tu crées pas du contenu, non. Je suis chanteur? Non. Je suis français? Non. Je suis un personnage fictif? Non. Je suis. Attends, Serge, j'existe. Je suis américain? Ouais. Ouais. Je suis DiCaprio? Non. Non. C'est tellement bas, c'est trop dur, frère. Maxime, tu connais pas, toi, t'es tout petit, toi. Attends.
T'es qui alors? Attends. Pourquoi t'es si bas? Quoi? Pourquoi tu serais si bas? Attends, je suis pas dans la tête, dans un anus quand même. Mais non, t'es un anus, t'es la, non. C'est la tête. C'est la tête. T'es le visage. Je suis le visage. T'es le visage. Je suis français. Non, je suis pas français. Je suis américain? Oui. Ouais. T'as déjà dit ça. Je suis humoriste. Non. Non. Je suis un animal. Non. Je suis comédien. Non. Acteur. Non. Chanteur. Non. Il y a quoi d'autre? Il y a plein d'autres trucs. Je suis un villageois. Non. Ah. Je suis. Ça va être chiant. Putain. Je suis politicien. Non. Je suis pas président. Non. Dis plein de trucs, on t'arrête. Je suis archéologue. Non, c'est bon. Ingénieur. Médecin. Boulanger. Mais wesh, mais il y a quoi d'autre dans la vie? Je suis Walmart. Je suis quoi? Je suis Théodore. Je suis Drake. Oh, tu te rapproches, hein, quand t'as dit Drake. Je suis un dragon. Tu te rapproches quand t'as dit Drake. Dragon. Je suis un dragon. C'est comment c'est? Attends, je suis un label de musique. Je suis Dr. Dre. T'es un putain d'humain, on a dit. Je suis Dr. Dre. Un indice, s'il vous plaît. T'es petit. Je suis les mecs dans Charlie à chocolaterie. Non. Je suis Gimli. Non. Je suis Maxime. Je suis tout petit, non? Je suis américain, moi. On sait jamais. Attends, un nain. Non, un américain. Un nain américain. Je suis un nain. Cinq questions. Un petit homme. Cinq trucs. Et c'est fini. Oh, je suis Peter Dinklage. Je suis dans Game of Thrones. Mais wesh, mais y a quoi de... Je suis un bébé. T'allais dire, y a pas de nain. Oui. Oh, je suis Baby Boss. Non. Puis trois questions. Attends, je suis un bébé. Je suis le bébé dans la pub Vittel. Non. Non. Deux questions. Américain. Je suis un bébé américain. Oh, je suis Hasboula. Non. Non, il est pas américain. Vraiment pas américain. T'as plus que un. Je peux trouver. Un bébé. Je peux trouver. Oh, je suis l'enfant de Rihanna et sa proche. Oui. À la dernière. Au bout du fil. Bravo. À la 90e. C'est bon ça. Bravo. Bravo. Bien joué ça. Putain, la toute fin. Oh la dinguerie. T'as mis 1000 ans, mec. Oh la dinguerie. Oh, c'est... Pourquoi c'est faux? C'est trop fort. Pourquoi c'est qu'une maquette? Calmez-vous. Pourquoi tu chiales comme ça? Mais... T'es manie, t'es l'enfant de Rihanna Saproki? Bah franchement, tu kiffes pas, je crois. Ah, tu penses que t'as trop la pression de les et parents mec, ouais. Bah, après, en vrai, Et puis t'es direct dans la célébrité et tout, c'est relou, hein. Ah, en mode Jaden Smith. Ouais, et t'as vu Jaden Smith la dernière vidéo qu'il a fait où il pleurait? Ouais, mais ça, c'était une vidéo qui datait, ah, non? Ah, les bâtards, ils ont enfermé Norman. C'est quoi la ref? C'est ta ref avec une blague que je fais. Ah, ok, j'ai capté. Mais du coup, ouais, Jaden Smith, ouais, ça doit être galère d'être enfant de star et tout. Ouais. Ouais, bah peut-être... En vrai, de fou. Ouais. Toi, t'es enfant de star, toi? Et toi? Non. Ça va, t'es à l'aise avec moi? Ouais. Ah, ça va? Ouais. T'es en eau, là? Non. C'est bon, c'est prêt, je crois. Ouais, c'est prêt, mais carrément. Allez, on y va. C'est tout petit, je peux même pas mettre ma tête en entier. Là t'es en place quand même. Je m'aimais bien. Est-ce que je suis gentil? Bah ouais, je pense. Je suis un humain? Oui. Ouais. Que je connais? Peut-être. Non. Français? Non. Américain? Oui. Ouais, certainement. Connu? Bah. Fictif ou vrai? C'est bah vrai. C'est vrai, ouais. C'est vrai? C'est pas personne de fiction. Mais vous avez l'air dépité, genre. Non. C'est... Donc c'est un truc un peu honteux. Bah... C'est relatif. C'est relatif, hein. Ah ouais? C'est un gars qui fait des vidéos de merde. Oula, des vidéos, on est sûr, mais... Des vidéos, ouais. Ah putain, c'est un truc porno. Ah putain, j'ai pas les... C'est même pas pour faire le gars, mais j'ai pas les rêves des acteurs. Je suis Anthony Ferrara. Putain. Manuel Ferrara. Je suis Manuel Ferrara. Non. Je suis Rocky. Rocky Balboa. Si Freddy. Rocco. Non. Non, arrête de. Demande ton. Non, non. Tu divagues. Tu divagues. C'est vague. Mais c'est pas un comédien connu? Non. Mais les gars. Non. Mais comment je suis. Alors, je dois trouver un truc de cul, mais qu'il n'est pas connu. Mais tu Ah, peux... je suis un cul, genre. Non. Non. Je suis un truc mythique? Non.
Bah, un peu, oui. C'est mythique, oui. C'est mythique, ouais. Ouais. Ah, genre en mode, ça a été repris, c'est un mème. Ouais. Ouais. Un mème de cul, mais les gars, ça existe, hein? Bah, malheureusement, ouais, hein. Un mème de cul? Ouais. Ce moment où tu as les poils dans, dans la bouche. C'est ça, les mèmes de cul? Non. Mais gros, je te connais pas. Frérot, t'as dû faire une vidéo sur le porno qui? Je sais pas, ça passerait sur YouTube. Est-ce que je peux pas avoir un indice, là? Tu l'as. Mets-toi comme ça sur le côté, regarde, tourne un peu ta tête comme ça. Voilà, mets-toi bien dans le trou et sourire, grand sourire. Les gars. Ça, tu l'as déjà vu sur Twitter, le même, forcément. Oui. Ah putain. Je suis la meuf avec les gars. Les gars, ah, putain, t'as pas assez de description sur les gars? Si, non, mais si, j'ai vu du coup, c'est exactement ce que j'avais en tête, j'ai eu le retour là. Et ils ont quoi? Ils ont des gars qui sont habillés en blanc. Et ils ont d'autres attributs? Je connais pas personnellement les gars, ils sont peut-être gentils, ils sont peut-être sympas. Certainement, ouais. Ouais, c'est possible. Ah. Ils ont l'air. Ah la vache. Il y a ta tête là. Ah, c'était pas mal ça. C'est une super idée. C'est une super idée, putain. C'est des assassins en régie. Hein. C'est des assassins. C'est des assassins, frère. Moi, j'étais content. Mais c'est trop. Hey, je vous jure, c'était grave dur à trouver. Non, en vrai, c'était trop dur à trouver. Vous m'avez un peu aidé. Venez, on va ici, les amis. Oh la vache. Mais c'est un peu angoissant quand même de pas savoir ce que t'es. Non, en plus, quand tu t'es mis à sourire là, c'était dingue. Mais il a vraiment dit je suis un cul. Ben les gars, un truc de cul pas connu. J'étais en mode, mais c'est quoi alors un truc de cul pas connu? J'ai pas les refs. Les amis, bravo. Toi, Grim, tu as été naze. J'ai trouvé le deuxième. T'en as trouvé un. C'était pas mal. Il a pas si mal joué. Non, il a trouvé vrai, à la vrai, dernière minute et tout. En vrai, t'as été fort, GG. Du coup. Bien sûr que j'ai été fort. GG à toi. Merci. GG à toi. GG à toi. GG à toi. À toi alors. À toi. Allez-y, continuez à faire ça. Les amis, moi, pendant ce temps, je vais vous dire très important. GG. Non, toi. On va passer à la fin de l'émission. Il y a un dernier énorme truc qui arrive. C'est un truc dont je suis le plus fier. Mais avant ça, les amis, je voudrais remercier Stitch qui nous accompagne. Stitch, on va diffuser un petit magnéto juste après. Je vous le rappelle, hein, c'est pour passer son permis. Ils sont partout en France. Ils sont sympas et ça coûte vraiment pas cher. Et je crois, alors là, je suis pas sûr, il y a un concours pour gagner un permis. Ça se passe là dans le chat. Là dans le chat, là maintenant, vous allez pouvoir gagner un permis. Quelqu'un dans le chat, là, GG. Maintenant, GG peut gagner un permis, point d'exclamation Stitch, avec Y-S-T-Y-C-H dans le chat pour gagner un permis. Merci à eux. Le permis est à 699€ avec le code ZEN, c'est-à-dire avec moins 50€. C'est une belle réduction. On passe tout de suite au magnéto et à la dinguerie de l'émission. C'est maintenant tout de suite. Merci Stitch, merci à tous. Magnéto et on... C'est quoi là? C'est bien de rêver et tout, il faut passer le permis maintenant. Oui. Allez, 10h10, on part en marche arrière. Ouais. Allez, on y va. Let's go. Tu vas toute ceinture ou pas? Non, je rigole jamais. C'est super important. Allez, 10h10. Hop. Ah merde, attends, c'est pas celui-là. Ah, arrête. Là, c'est bon. Ça vient, c'est. Non, mais il y a les rétros pour ça. Ah non, quand même, on part de loin là, mais c'est rien de go slip là. Non, mais pardon, c'est le truc là. En fait, ça, normalement, je sais faire, il est pas bien mis. C'est parce que je pense qu'il y a. Mais sinon, je connais. Ouais, mais GG à toi. GG, frère, t'as été un monstre. Frère, là, et par l'émission, rapport à ma frérot, GG à toi. Frérot, tout au long de l'émission, frère. GG à toi. Putain, vous t'es trop fort. Mais les gars, parce qu'en fait, j'ai fait une petite pub et je me suis dit que vous avez. Tu dis quoi? De quoi? Depuis tout à l'heure, tu dis quoi? Tu dis quoi depuis tout à l'heure? Je disais que j'avais fait une petite pub et je me demandais si ça vaut. Non, bah, la marque c'est bien, mais toi, ouais, frère. Tous les jours on se lève. Ok, écoute. Depuis tout à l'heure on parlait, on se disait. GG quoi, pas GG, t'as été vraiment sous tes missions. T'as été un gars, mais. Non, vous êtes bien les gars. Les amis, on va passer bientôt à la fin de l'émission. Attends, juste un peu. Les gars, on est en live. On tourne, Les gars, excusez-moi, on a une émission. On tourne, les gars, s'il vous plaît. Et si vous... Qui nous a ramené ces guignols, là? Ça va, Marie, c'est un filtre, hein? Oh okay. Grrr, grrr. Tu sais quoi? Pa!
pan. Je pense que même au lit, tu flopes. Ouh. Ouh. Oui. Au bout de 5 minutes, ta copine a déjà allumé la clope. Ouh. Oh. C'est chaud, c'est chaud. On a ce qu'il garde. Tu me laisses 30 secondes ou pas? Gardien. Vas-y, à toi. Et toi, c'est quoi le bordel là? Et toi, on s'est même pas quitté. Le jour où t'arrives à ma cheville, oublie pas de fermer le lacet, frère. Ouh. Attends, j'en ai une autre. Vas-y, remets. Eh, comme toi. Arrête de faire vénère. Moi, je sais que t'es un bon gars. La première fois que je t'ai vu, t'avais les yeux comme dans les mangas. Oh, kawaii. Trop de spipo. J'ai envie de me le farcir, lui. J'ai envie de me le faire. Vous voulez quoi, les gars? Laisse-moi juste retrouver mon texte. T'inquiète. Si j'ai le mic, c'est encore mieux, frérot. Ok, je suis une terreur depuis le lycée, je fais le halal. Désolé les gars, mais ce soir je mange pas halal. Ouais, ok, attends que je reviens sur la mesure parce que t'es mort, ok. Sale chien, moi c'est Master Rhymes, enchanté, et qui est le big boss qui va te faire miauler. T'as aucun style, t'arrives comme pipi. Master Rhymes, new MJ, j'arrive comme ouais, et je l'ai ok. Écoute celle-là, ok. Je suis musulman, ça veut dire que je pense d'abord au mien. Mais ça veut surtout dire que mon trou de balle est plus propre que le tien. Parce que tu... Bendo, pas d'eau, ok. Vas-y. Ta grosse daronne qui écoute les conseils de Marc Plata. Oui, c'est vrai. C'est vrai ou pas? Attends, t'es prêt? Dis-le. Ok. C'est vraiment bad en comment pour toi je n'ai pas d'estime. T'as pactisé avec Satan, tes sons font même pas de stream. Si moi j'ai le meilleur drip, tu peux pas nier le style. Meilleur en tout point, j'ai donné plus d'oseille que toi à la Palestine. C'est chaud. Mais dis quelque chose les gars, vous êtes là. Bouge. On les a éteints. Tu vois de la lumière par là? Non. Mais c'est normal, ils sont éteints mon gars. Ça c'est ça mon gars, vas-y. On style. J'entends rien. Et toi, c'est la... rien éteint. Maintenant, là, pour le prochain qui parle avec moi, la tête de merde, je vais te faire. Ils sont plus là, c'est ça. Gros, tu fais le rappeur, tu te défends pas. Et gros, toi, t'es censé être mon pote. Tu connais Snoop Scratchy Scratch. On a fait plein de trucs ensemble. Tu es là, tu me défends même pas. C'est vrai, Snoop Scratchy Scratch. Mais oui, c'est Snoop Scratchy Scratch, frère. Ah, c'est pas grave, frère. Frère, vous êtes là. Je me suis fait terminer pendant 10 minutes. Personne n'a bronché, frère. Je me suis fait terminer, frère. D'un cri, wesh. J'ai pas fait terminer. Ouais, mais t'inquiète. Mais gros, il va falloir se venger, je crois. Non, c'est bon, c'est la fin des. Comment ça, c'est la fin, wesh? Non, tranquille. Non, gros, moi, j'ai un truc pour toi. J'ai un vrai bail pour toi. Voilà, j'ai des concours de clash. Clash of Clans, mon frère. Wesh. Un vrai bail. C'est quoi? Là, tu pourras l'éteindre. C'est la revanche. Regarde, t'as humilié devant toute la France. Je sais pas, les gars. T'as laissé ça comme ça ou pas? Non, mais je sais pas. Non, t'es une victime ou. Non, il a raison. Max, on va faire. On va se refaire. Clash of Clans, frérot. Mais frère, moi, je crois en toi. Merci. T'as humilié, mais tu peux pas laisser ça comme ça. Regarde, toute la France a vu ça, cousin. Ouais, je tu as laissé ça? D'accord. T'as un homme ou une pomme? Vas-y, on verra. T'es pas une pomme, il a raison. Ok, vas-y. Voilà, gros. On a les billets. Merci, mon gars. Vengeance. On y va, frère. On se casse. Palms are sweaty. Sweater already. Mom's spaghetti. He's nervous. L'invité de Click ce soir, c'est Master Rhymes, jeune rappeur qui a fait le tour des réseaux après son clash contre Maxime Biaggi. Comment c'est venu tout ça? Bah déjà, oui, ça va, et toi? L'avenir, là, il y a tout le monde qui me court après, tu connais. J'ai mon premier album solo qui va drop là dans pas longtemps. L'Attaque des Chefs, volume 4. Volume 4 pour un premier album. J'ai vécu des époques qui ont marqué l'histoire du rap. Et moi, t'as vu, j'aime pas trop ces petits bolos de la nouvelle génération là qui se ramènent. Ça a écouté deux albums de Bébé Jacques. Quoi, la fève, ouais, c'est bon, frère. Je te la mets dans le cul, ta fève, moi. Le cul à qui? Cul à Maxime Biaggi. Depuis que tout le monde appelle Maxime Biaggi Miskin Biaggi, il est victime d'une agra. Si tu le croises, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Lui, s'il me croise, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Je pense déjà qu'il va y avoir 2-3 problèmes de flatulence. Yo, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ouais! Ce soir, c'est Clash of Clans. Mettez de l'ambiance là, je vous dis, vous êtes. Voilà! Ce soir, 3 battles. Moi, BMS Joel et qui est Snoop Scratchy Scratch pour vous servir. Alors je vais appeler tout de suite. Merci les gars, ça fait plaisir. Alors je vais appeler tout de suite. Ce soir, à ma gauche, Lil Pout, viens par là, mon gars!
Il est chaud. Et si c'est pas venu donner du gaz hilarant, t'as capté, frère. Aïe, il est beau, il a déjà réparti. Et à ma droite, le challenger, le charmeur, le youtubeur, mon gars sur Théodore, let's go, viens par là. Non, il y a des choses à prouver, soit il va vous faire très très mal, vous allez voir. Eh, va péter, toi. Ne vous inquiétez pas, ça arrive tout de suite. Il vient péter, là. Passons-nous pour rien, Lil Prout. Je serai accompagné ce soir de mon gars sûr DJ Chiro Platine. Du bruit pour DJ Chiro, du bruit. Tirez-le. On va procéder au pile ou face. Pile ou face. Face. Ce sera pile. C'est toi qui commence. C'est lui. Ah. Il lui laisse la parole en premier. Let's go, mon gars. T'es prêt ou pas? Toujours. Ok. DJ Chiro, balance l'instru. Merci frérot. C'est Lil Prout la team. Une petite odeur de merde. La première fois que j'y rencontre ce gars, il me disait qu'il avait peur d'un monstre sous son matelas. Théodore, ici t'es pas chez toi, non, dégage de là, tu passeras pas dans merde au Nutella. Ma mère a dit, t'étais un chi, je te fais danser le logo B. Attends, t'es en train de rougir? T'as vu un esprit ou quoi? Hein? Je connais ton passé dans les clubs de striptease à Angers. D'ailleurs, je crois, je suis passé, je t'ai jeté quelques billets. Je suis professeur, t'es l'élève. C'est la fin du battle, j'ai le cigare au bout des lèvres. T'as peur ou quoi? Quoi couper? Oh là là, c'est une victoire par KO de mon gars Théodore, let's go. C'est chaud. Bien joué, t'as été bon, mais malheureusement il t'a eu. Let's go. Place au deuxième battle ce soir. Ouais. Il est chaud. Il arrive de loin, mon gars. Viens par là, mon gars Kalba. C'est Kabar, il n'y a pas de L. En fait, c'est K, et il y a un tiret, et en fait, du coup, il n'y a pas de L. C'est cool, il nous raconte sa vie. Dédicace à Kalbar, voilà. Et à droite, le tisse mes soins. Il est là, il vient de loin aussi. Mon gars, Grim Cujo. Les frères, vous voulez quoi? Non, attendez, laissez-lui sa chance. Ça va quoi, mon gars? Ouais, ça va et toi? T'as l'air tendu. Non, ça va chaud là. Ah, il est chaud. On va procéder au pile ou face. Let's go. Pile ou face? Pile. Face. C'est face. Tu commences ou tu veux laisser la main? Je commence. Let's go. DJ Chiro, balance le son. Ici Kabar, je prends le mic. Et deux N, je m'accapare. Je remplace cette bonne d'incapable. Catastrophique, tu te crois meilleur, t'as catastrophé. Hey, ouais, c'est Kabar qui m'a ramené un cadavre. Je te découpe et je te range dans un cabas. Tu joues mal comme dans un fake taxi. J'écoute ta merde comme le ferait ta psy. Je suis un génie, à chaque fois j'apparais. Quand ta go me caresse, tiens, attends, je te rends ça barrette. Hey, comme une vase se fait vriller. Je fais que briller, t'es fébrile. Et tu fais style que t'es cinéphile, que t'as des idées folles. Hey, je suis sûr que tu pompes, hein, ok. Ouais, bah voilà, prends ça dans ta face, mec. Voilà, je mate ma tête sur ta télé. Passer ma quête sur la télé. Les MC arrêtent pas d'étaler. Faudrait que j'arrête de détailler. T'as l'air tout pâle et puis ça y est, t'as reconnu le Super Saiyan. Appelle-moi Kabar, appelle-moi la prime. Je crois que ta daronne voulait venir, mais elle m'a dit, dommage, y'a Grim. C'est fort ce soir. Ça attaque les darons. Oh là là, des coups bas. Mais est-ce que tu vas répondre correctement ce soir, mon gars? Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es chaud, mon Grim Cujo? Let's go. DJ, balance. Ouais, le micro, gros. Hey, DJ, là, je vais... Tu veux que je te tabasse ou quoi, là? Enlève-moi cet instru de merde, là. Hey, je vais te soulever, hein. Qu'est-ce que tu fais, là? Attends, t'inquiète, il va régler ça. DJ, balance l'instru. Voilà. Ouais. Kabar, j'affronte un MC ou bien Babar. Tout le quartier connaît ton blaze, il faut que se taper des barres.
t'es trop naze, tu vends des L. Toutes tes potes elles sont trop gaises. En plus ton daron c'est un condé, même les L ils veulent pas droite. Ta maman elle a plus de toi, elle a tout mis dans tes sons claqués. T'inquiète, j'ai bien m'en occuper, j'ai même pris un sub chez JDG. Cabar, cabar, regarde ta gueule, sérieux, prends un miroir. Même elle dans Death Note, il a vu ta gueule, il a dit venez les gars, on cherche autre part. Tu te prends pour un killer, tu crois t'es Kira. T'arrives même pas à gagner un build fight contre Ninja. T'es là tranquille, tu fais le papa. Pendant que le tien, ce fils de pute, il a fait une bavure pas loin de chez moi. Calme-toi, 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 le clash est bientôt terminé. Bon, t'en saurais qu'on a fait que le lycée, t'as bien les oreilles bouchées. Là, je vois, tu t'es bien chié dans le froc. Tu te prends un dernier L, Kabar, ça donne quoi? Calba. Oh, c'est noir. C'est très, 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 très noir. Oh là là là, moi, je sais qui est le vainqueur. Le vainqueur, c'est mon gars sûr. Grim Cujo. Désolé, Calba, t'as été bon, mais il a été meilleur. La prochaine fois pour toi. Wow, wow, wow. Du bruit pour Grim Cujo. Faites du bruit, faites du bruit. Let's go, let's go. Il est chaud, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Mais là, c'est le main event. Vous êtes venus pour ça. Voilà. Là, c'est les poids lourds. Tout de suite, à ma gauche, mon gars Masta, qui va venir terrasser l'instru. Viens par ici, mon gars. Let's go, let's go. Masta. Et à ma droite, le challenger. Il nous vient de Corse. Slip Shady, mon gars sûr. Viens par ici, let's go. Let's go, ouais, Slip. Let's go, Slip. Slip. Let's go, le Slip. Il arrive, vous inquiétez pas. Il arrive. Oh, Slip. Slip. Slip, ouais. Ziak. Oui Ziak, t'as costé Drake. Mais qu'est-ce que tu fous là? Toi qu'est-ce que tu fous là? C'est toi qui viens de Béjer là? Ouais, c'est parce que je suis stressé de fou, j'ai mais un clash. T'es un gros crasseux comme gars toi. Non, c'est j'ai un clash avec Master Rhymes. Il arrive. Ouais, il arrivait la dernière fois, il me disait papa, il commence à découper mon. Eh gros, ferme ta gueule. Ouais. Ferme ta gueule. Ouais. Le rap c'est mon truc gros. Ouais. C'est simple, faut y croire mon gars. Y'a que pour toi que tu fais ça. Faut que tu découpes ça. Okay. Comme avec un vrai couteau. Ok, ok. T'as compris ou pas? Ouais, j'ai compris. Je rigole pas avec toi, hein. Ouais, je. Tu ouais. vas tout découper, hein. Je vais tout découper. Prends pour qui là avec ton bonnet? Non, c'est Slip Shady, c'est parce que c'est mon personnage, c'est mon truc de. Eh, bref. Ouais. Je suis pas venu ici pour rien, ok? Ouais. Ce soir, tu dois tout casser, mon frère. Ok. Tu fais ça pour de vrai, hein? Ouais, j'y vais. Je vais y aller, je vais tout casser. T'arraches tout? J'arrache tout. Ok. J'arrache tout. Allez. Je vais tout découper, frère. Si. Je vais tout découper. Prends vraiment pour Eminem ce clochard. Si dans 3 secondes il est pas là, décompte. 3, 2, 1, oh. Il est accompagné en plus. Oh, mais il est accompagné de stars en plus. Qu'est-ce qui se passe, mon gars? T'étais où là? On t'attendait depuis là. À ma droite, Slip Shady qui est Maxime Biaggi. Est-ce que t'es chaud ce soir? Ouais. Je suis pas Ziak, mais je vais lui mettre la drill. Ça arrive, oh oui. Les hostilités sont tout de suite lancées. Attendez, on va faire le pile ou face. Pile ou face? Face. Ce sera pile. C'est face qui gagne. Tu commences ou il commence? Je commence. Let's go. Oui. DJ. Balance-moi cet instru, cousin. Montre-leur, Slip. Z2N, tout le monde les mains en l'air pour mon Maxi Zen. Les mains en l'air pour le Z2N, tout le monde les mains en l'air. Yo. Il a pas levé la main, le ref n'est pas zen, il stresse pour l'examen. Ton équipe flop tout le temps et j'aime bien ton flow, mais ton flow n'est pas le tien. 1, 2, 3, puis le 4. 1 pack, 2 pack, 3 pack, 4. 4 pack, 3 pack, 2 pack, 1. Là y'a 6 pack, là y'a rien. Ce mec n'est même pas un putain d'MC. Je sais ce qu'il a prévu de dire ici. Je suis petit et mon nez est géant. Je pourrais jamais faire de tresse parce que je suis blanc. Mais je sais plein de choses sur ma star. Tu fais le voyou, ton prénom c'est Benoît. Je me suis renseigné, t'as un business dans la vente. Masta Pizza, 15 rue de Charente. Je vois mieux les paroles de tes chansons. Quand tu dis que tu t'écoutes, tu parles de champignons. En vrai, je t'en veux pas, t'es un gars marrant. Tu dis tu tiens le four,
c'est celui de ton restaurant, frérot. H24, le bigot sonne, frérot. On t'a juste commandé une caleçonne. Quand tu parles des olives. Non, quand tu parles des olives, par contre, je sais pas si tu parles de l'ingrédient ou si tu parles vraiment de. Hey yo frérot, tu sais quoi, la prod est coupée, j'ai mis a cappella. Après notre premier clash, t'es passé partout. T'as fait tous les plateaux, t'as fait clic, poteau. Là, c'est la définition d'une gifle. Là, c'est épicé, c'est épicé. La pizza calzone est épicée ce soir. Il y a du piment, mais tu dois répondre. Let's go mon gars, DJ, balance l'instru. Vas-y Martin. Victoire par KO de mon gars le corps c'est sûr. Dédicace à mon gars sûr. Ziac en direct. Un moment le vous pour la win. Merci à tous d'avoir suivi. Merci d'avoir suivi Zen. On se retrouve dans 15 jours. Big up Asia qui est venu exprès. Il nous fait l'honneur d'être là. Nouveau clip demain. Suivez ça, streamez ça, très très lourd. Merci, merci beaucoup, merci vraiment. Merci, merci les gars, merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve dans 15 jours, c'était Zen. Ciao tout le monde, merci à tous dans le public, ciao. Mets ça! Oh la vache! Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on devrait s'en aller. Des millions de dollars de cocaïne sont tombés du ciel aujourd'hui à Knoxville, au Tennessee. Ils en ont largué plein d'autres par là, quelque part. Je recherche ma fille. La forêt est un endroit dangereux. Hé hey Henri, regarde ça. Une bête a dû le manger. Un cerf, peut-être. Une cargaison de coke s'est volatilisée. Je veux que vous la retrouviez. Non, 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 bouge pas ça, bouge pas ça. Attendons de voir quel effet ça aura sur lui. Un ours qui est défoncé à la cocaïne. Putain d'ours shooté à la coke! Un ours barge! Barge? Qui était? Défoncé! Hé! Hey, surveille ton langage! Les ours, ça grimpe pas aux arbres, vous risquez rien! Si, bien sûr que si! J'ai l'impression que c'est le genre de chose qui marque un homme à vie. Un super prédateur. Gamé à la cocaïne. Devenu fou furieux. Eh ben t'es mal là. Pourquoi il nous poursuit comme ça? Quelle chance, la nature, ça nous réussit.